Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes le 5 septembre 2022. Comme à notre habitude, nous allons commencer à l'heure, d'autant que notre ordre du jour, vous l'avez vu, est assez copieux. Donc je vais procéder dans un premier temps à l'appel. Patrick Martin, présent. Pierre Sarboneski a donné procuration à Véronique Pesanti-Gros. Véronique Pesanti-Gros. Présente. Philippe Arnaud. Présent. Françoise Wachani. Présente. Fabien Accard. Présent. Dominique Maire. Thierry Ballambois a donné procuration à Patrick Martin, Sabine Demery. Présente. Bérangère Courtois. Présente. Cyril Bonnevie a donné procuration à Françoise Wachani. Anne Copin ne devrait pas tarder, mais elle est absente pour le moment. Mathieu Scarafiotti, idem. Frédéric Monneret, pareil. Lucie Martin. Présente. Gérard Matisse. Présente. Denise Bonnevie. Présente. Pierre Roumollard. Présente. Ingrid Tolmer. Je vous remercie. J'espère que vous avez passé toutes et tous un bel été. Je passe ça derrière. Et nous allons procéder d'abord à la désignation d'un ou d'une secrétaire de séance. Y a-t-il d'autres candidats à part Dominique ? Bien. Est-ce qu'il y a des votes contre le fait que Dominique Maire soit secrétaire de séance ? Des abstentions ? Des votes favorables. Je vous remercie. Je vais donc ensuite procéder, comme d'habitude, à la lecture des décisions du maire depuis le dernier conseil municipal, ou des fois juste avant, parce qu'il y a des fois un léger décalage. La numéro 107, il s'agit de signer un contrat de travaux avec l'entreprise Gros Laver pour un montant de 51 144 euros TTC. Cela concerne les travaux à la police municipale. La 108, c'est dans le cadre de la gestion des nouveaux badges télécommandés donnant accès à la place du Tovex, qui seront remis aux bénéficiaires. Chaque structure n'aura qu'un seul accès et un seul badge. Le montant correspondant à la fourniture de ce badge est fixé à 50 euros TTC par badge. La numéro 109, c'est un contrat de service avec la société Conibi pour la collecte et la valorisation des consommables d'impression usagées, en particulier les toneurs. Ceci est gratuit et c'est financé par le constructeur de copieurs Rico. Je ne sais pas si on a le droit de faire de la pub, mais comme ça, c'est fait. La durée du contrat est d'un an, renouvelable tacitement chaque 31 décembre. La numéro 110, c'est un contrat signé avec la société Sixol pour l'intervention et la réalisation d'une étude de faisabilité d'un dispositif réglementaire d'assainissement autonome. En fait, il s'agit d'une fosse septique au niveau du clubhouse du Manchet. C'est bien tourné. Le montant de la prestation est de 960 euros TTC. La numéro 111, c'est une convention de partenariat entre Musique et Patrimoine en Tarentaise et la communauté de communes de Haute-Tarentaise, dans le cadre du Festival de musique et patrimoine en Tarentaise, organisé durant la saison estivale 2022. Le concert de musique médiévale s'est tenu le 11 août 2022 et la commune versera un concours financier de 1 000 euros TTC. Idem pour la 112, à la Maison de Val, un concert dans le cadre de la tournée des refuges assurée par Tabaz Musique, qui s'est déroulée le 13 août à 18h. Le montant du cachet était de 1 685 euros. Nous avons déclaré sans suite, c'est le point numéro 13, la consultation relative à l'aménagement de l'avenue du Prarion. Et conformément à l'article R2185-1 du Code de la commande publique, cette décision est subordonnée à des motifs d'intérêt généraux d'ordre budgétaire. En effet, à l'issue de la consultation, le montant des offres dépassait le budget disponible. La décision numéro 114 est de déclarer sans suite la procédure de passation de marché de ménage des locaux communaux pour des motifs d'intérêt général susvisés et de relancer une procédure de passation pour le dit marché. Évidemment, le candidat est informé de la présente décision. 115, il s'agit de la mise à disposition pour un berger Sébastien Bonnevie d'un logement pour la période du 15 juin 2022 au 1er octobre 2022 au chalet Gautland. Ça ira plus vite que vous donnez l'adresse. Et le montant est de 912,22 € pour la période complète. Puisqu'on me pose la question, c'est pour les 3 mois et demi. La numéro 116, c'est une bonne nouvelle, enfin c'est que des bonnes nouvelles, mais il va y avoir une classe découverte pour
les élèves à l'école, ce qui se passera à Évian. Ça sera une classe sur la découverte sur le thème de l'eau, du 22 mai 2023 au 27 mai 2023 pour les élèves de CPCE1 et la classe de CM1-CM2. Le montant total de la facture est 12 504,55 €. Il s'agit de verser un acompte en septembre 2022 de 3 751,22 €, qui doit, si mes calculs sont bons, correspondre au tiers. Le solde, la deuxième partie sera versée en mars 2023 et en avril 2020, en mars et avril 2023. Et le solde à la réception de la facture, donc du coup, ça ne faisait pas le tiers. La participation des familles sera, elle, reversée à la commune. Et enfin, la 117, de régler à Madame Carole Audely itinérelle une facture correspondant à une formation qui se déroulera au chalet du Berger, au Cormet de Rosan, le 8 septembre 2022, pour 6 responsables de service. Est-ce qu'à la lumière de ces explications, vous avez des questions ou des remarques ? Je vous remercie. Nous allons ensuite passer à l'approbation. Peut-être ai-je inversé, puisque c'est un classique chez moi, mais aucun problème. C'est un problème de dyslexie. À l'approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 1er août 2022. Est-ce qu'à sa lecture, vous avez des remarques ou des questions ? Moi, j'en ai une, puisque Thierry nous a fait remarquer que, à une question de Pierre Aumollard, où était évoqué le parking du centre, notamment au niveau des fuites, Thierry a dit « tous les parkings couverts seront équipés de cette manière avant la saison prochaine ». Et il voulait bien entendu dire « le parking du centre sera couvert ». Il nous a demandé de rectifier, mais comme c'est ce qu'il avait dit dans le feu de l'action et dans la passion, je tenais à rectifier, c'est bien le parking du centre dont il parlait des travaux. Mais c'est vrai qu'à la réécoute, donc c'est donc un travail assez fastidieux, à la réécoute de ce qui est enregistré, Thierry a bien dit « tous les parkings ». Mais il entendait « le parking du centre ». Les travaux attaqueront fin septembre. Un micro, Pierre. Micro, le micro. Voilà, Pierre. Excusez-moi. Alors, l'histoire du micro, écoutez-moi, c'est vraiment important parce qu'il y a des gens qui nous écoutent. Oui. Et les remarques qui nous sont faites, c'est que quand on parle dans le micro, ça s'entend parfaitement. Quand on ne parle pas dans le micro, on n'entend rien du tout. Parfait. En effet, c'est un sujet, le parking récurrent. Et pour le coup, ce matin, je m'y suis garé et j'avais fait une remarque à Thierry en off, lui faisant remarquer qu'il y avait au moins un véhicule qui est stationné depuis au moins 2 ans dans le parking. Il y en a en effet 3. Il m'a ramené cette information. Et ce matin, donc à la réponse de ma question, il m'a dit « Écoute, d'ici fin août, on aura réglé probablement le problème et les véhicules seront retirés. » Or, ce matin, je m'y suis garé et au deuxième sous-sol, tu as toujours un véhicule au moins garé. Voilà. Donc, c'est pénalisant, quoi, tout simplement. C'est 3 véhicules qui gênent à l'ensemble. C'est pénalisant parce que les places ne peuvent pas être occupées. Et il s'agit de véhicules sans faire trop long, qui sont des véhicules tampons. Il y en a un autre dans le parking du Val-Village, qui est là depuis 3 ans, qui est donc couvert d'une certaine épaisseur de poussière. Lorsqu'il s'agit, et je vais prendre des pincettes de véhicules étrangers avec des plaques jaunes et noires, c'est assez difficile d'obtenir des réponses de la part de nos voisins d'outre-Manche sur qui possède de véhicules, etc. Mais c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Et tu as raison, Pierre. Alors, pas en période d'intersaison comme celle-ci, mais pendant la saison, un véhicule comme ça, ben, c'est 3 places qui ne sont pas louées. Patrick, je précise que du coup, on va modifier le compte-rendu du conseil municipal qui sera publié pour intégrer la remarque de Thierry. OK. Pas d'autres questions ? Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions, des votes favorables ? Je vous remercie. Nous allons donc passer au déroulé du conseil municipal. Et le point numéro 1 est présenté par moi-même. Il s'agit du tarif des remontées mécaniques pour la saison d'hiver 2022-2023. C'est un dossier qui nous occupe depuis maintenant presque 1 an, puisque suite notamment à notre contrôle de CRC, mais aussi à une loi, dont l'objet principal est de considérer que sur un tarif de service public, il ne peut pas y avoir de localisme quant au tarif. Donc chacune des communes, avec ses délégataires, quand il s'agissait de délégation de service public, a réfléchi à un certain nombre de solutions. Celle que nous avons trouvée à Val d'Isère consiste à, d'abord dans un premier temps, voter des tarifs que nous avons votés au mois d'avril
avec une baisse importante du tarif saison, du tarif illimité, et une baisse du tarif journalier. Aujourd'hui, je viens devant vous pour trouver une solution, notamment pour les personnes locales, pour avoir un tarif qui soit le plus proche possible de ce qui était pratiqué auparavant. Et ce tarif consiste notamment en un système de remise en volume de 30% pour 350 forfaits saison achetés. Il s'agit que de forfaits saison. Et de 40% sur un volume de 1000 forfaits saison achetés. Et puis vous avez tarif pour le ski 2 jours sur 7. Et le tarif saison Val d'Isère, tarif adulte, tarif réduit, 8-18 ans et plus de 65 ans. D'autres communes ont choisi de faire différemment. J'étais hier avec Madame Méroni de la commune d'Aime-la-Plagne, qui, elle, avec son concessionnaire, a décidé de baisser, de pas faire de tarifs en volume et de baisser drastiquement ses tarifs. Elle a coupé de moitié les tarifs, notamment de saison. De chaque station s'est aperçu que les tarifs saison illimités se vendaient de moins en moins. Nous avons fait le choix, je vous rappelle, de descendre ce tarif de 1430 à 990. Et c'est sur tarif de 990 que nous allons faire une remise. Bonjour Anne. Une remise de 30% pour 350 forfaits saison achetés et 40% sur un volume de 1000 forfaits. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, il faut trouver le support ou les gens qui vont acheter ces 1000 forfaits groupés ou ces 350 forfaits groupés pour avoir un tarif dérogatoire. Pour bien préciser ce qui a été dit autour de cette table, nous travaillons en collaboration notamment avec notre association locale. Nous n'avons pas encore trouvé l'issue complète, la voie complète, puisque ça ne se fait pas d'un claquement de doigts, puisqu'il y a un certain nombre de contraintes budgétaires, de création de sociétés, d'encaissement, etc. Ce travail se fait en collaboration, évidemment, tripartite avec la société de remontée mécanique et la commune pour trouver la bonne solution. Moi, j'ai bon espoir d'aboutir. On devrait le savoir assez rapidement. Voilà les explications générales que je peux vous donner, mais j'imagine que vous avez des questions ou des remarques. Oui. Ben, je trouve qu'on n'est pas bon, en effet, sur ce point-là, puisque par rapport à TIN, qui est d'ores et déjà capable de dire TIN Développement va se porter acheteur du volume de forfait, aujourd'hui, alors qu'on est déjà en train de recruter nos collaborateurs de l'hiver, ça fait partie de l'attractivité de Val d'Isère, encore une fois, et qu'est-ce qu'on leur propose ? C'est-à-dire que le futur candidat qui vient postuler chez nous, Sociopro, quand il aborde le sujet du forfait, je lui réponds que peut-être qu'il aura un forfait à 40% si quelqu'un se porte acheteur de 1000 forfaits. Alors, ce que tu peux lui répondre, Ingrid, c'est qu'un tarif dérogatoire, parce que tu travailles à Val d'Isère ou tu travailles n'importe où, ce n'est plus possible. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, parce que tu me cites TIN Développement, on aurait pu l'imaginer avec notre SEM local. Moi, je cherche la solution la plus large possible. À TIN Développement, par exemple, un socio-professionnel sur deux adhère. Ce qui veut dire que 50% des socio-professionnels, sauf à adhérer, n'auront pas le droit à ce tarif dérogatoire. C'est pas neutre. Et puis après, tu es... plus. Pardon ? Ça susciterait peut-être des abonnements supplémentaires. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez aussi, puisque on a quand même pas mal bossé dessus, tu me parles beaucoup d'attractivité. Finalement, par rapport au nombre de saisonniers que nous employons à Val d'Isère, et je parle que des saisonniers, à peu près 4000, eh bien, j'étais persuadé, moi, qu'on était sur un taux de forfait de l'ordre de 75 à 80%. On est à peine au tiers. À peine au tiers. C'est-à-dire que le nombre de forfaits saisonniers, c'est à peu près 1400 forfaits qui ont été achetés, évidemment, dans les années du monde d'avant, je dirais. Donc, c'est pas tant que ça. Ceci dit, ça n'empêche pas que c'est quelque chose d'attractif. Si nous n'arrivons pas à prospérer avec Vivaldis, en l'occurrence, on trouvera une autre solution. Donc, tu peux dire à ton saisonnier, d'abord, qu'il a beaucoup de chance de skier avec un tarif dérogatoire. Et deuxièmement, qu'il aura un tarif, si c'est 350 forfaits, autour de 700 euros. Et si c'est 40%, autour de 595 euros. Je dis autour. Pourquoi ? Parce que ça, c'est le prix facial. Après, je vous expliquais qu'il y avait des frais pour gérer ça. TIN Développement, puisque tu les as cités, bien eux, ils ont déjà annoncé que leur tarif serait à 610 euros. Puisque pour pouvoir vendre ces forfaits, il y a quand même pas mal de travail, même si l'essentiel du job sera assuré par la société de remontée mécanique. Voilà. D'autres stations, je vous dis, j'ai piqué de la Plagne. La Plagne a pris le choix de ne pas faire de tarif dérogatoire.
pas faire de tarif dérogatoire. Alors, ils ont prospéré sur un forfait un jour, qui chez nous a peu d'intérêt, qui serait à 174 euros, sur un forfait deux jours, qui serait à 374 euros sur l'ensemble de Paradiski. Chez nous, il est à 350. Et puis, pas de remise globale pour un forfait illimité. Voilà, chacun fait sa voix. Ingrid, je comprends ton impatience. Hein. J'avais Mathieu autour de cette table, Mathieu Scarafiotti l'avait relevé. Voilà, moi, je suis un garçon positif et je suis sûr qu'on trouvera la voie. Moi, je tenais à préciser quand même que pour les enfants de Val d'Isère, donc jusqu'à 18 ans, les forfaits donc, seront fournis par la collectivité, puisque c'est un choix de politique publique, puisqu'on estimait qu'effectivement, on tenait à ce que nos enfants puissent skier sur le domaine gratuitement jusqu'à leurs 18 ans. Donc c'est la collectivité qui prendra en charge les forfaits pour les enfants. Moi, je me pose quand même une question, je l'ai déjà évoqué autour de cette table, sur la pertinence de l'ANMSM. Parce que là, ça commence à être un petit peu agaçant, pour être très concret. L'ANMSM, dans cette, sauf erreur de ma part, dans ce combat sur ces forfaits, n'a pas été déterminante. D'accord. Finalement, elle n'est pas déterminante sur ce problème-là. Elle n'est pas déterminante non plus sur tous les autres problèmes qui concernent les stations de ski. On a commencé par les ouvertures Covid, où on n'a eu aucune écoute. On a continué avec les problèmes de budgétaires des stations. Vraisemblablement, DSF a été bien plus efficace que la NMSM. On continue aujourd'hui avec les forfaits. On a des problèmes avec les logements des personnels communaux. Et demain, c'est l'énergie et l'eau. C'est 60 000 euros, hein, je crois. 65 000 euros, la cotisation de Val d'Isère à la NMSM. Au moment où on a besoin d'avoir une voix forte nationale, on constate que les 65 000 euros, qui pourraient être finalement pas grand-chose si ça servait à quelque chose, aujourd'hui, moi, je considère que ça devient presque abusif. Voilà. Si demain, on se retrouve, et on le sait qu'on va avoir des questions sur l'énergie et l'eau, je commence à prendre peur sur la véritable représentation des stations de ski au niveau national. Frédéric, tu as commencé par ta phrase, par « sauf erreur de ma part », tu as bien fait. Ce matin, il y a une réunion de l'ensemble des maires, en tout cas de Tarentaise, sauf moi, puisque j'avais conseil municipal, avec les députés et sénateurs, non pas seulement locaux, mais l'ensemble des députés et des sénateurs de montagne. Ça représente 120 députés à l'Assemblée nationale, toutes tendances confondues, puisque je vous expliquais que ce tarif était issu d'une loi. Et c'est peut-être utopique, mais le but, c'est d'essayer de changer la loi pour faire valoir notre spécificité montagne et de changer la loi. Et Patrick, tu te rends compte ce que tu me dis ? On est le 6 septembre 2022. Cette loi, elle a été promulguée il y a déjà, je sais pas, mais bien plus d'un an, puisque ça fait bien plus d'un an qu'on en parle. Bon, c'est quand même très efficace de se retrouver à trois mois de l'ouverture de la saison. Non, mais il faut bien réaliser que le fait d'avoir un tarif dérogatoire qu'on considère comme quelque chose d'acquis, d'accord ? Eh bien, aujourd'hui, la loi dit non. La loi dit non. Et on peut être contre la loi, Frédéric, il n'y a aucun problème. Moi, elle m'ennuie plus qu'autre chose, et encore, je vais rester poli. Mais les actions, elles sont souvent de long terme. Donc cette année, puisqu'il faut trouver une solution, et c'est un travail vraiment de long terme. Quand je vous parlais de la Plagne, quand la Plagne fait le choix de mettre son forfait saison juste pour résoudre ce problème-là à 624 euros pour l'ensemble de sa clientèle, nous, on n'est pas sur ce modèle-là, on n'est pas sur un modèle de masse. Donc, ils prennent des risques énormément. Je vous rappelle que la Plagne, c'est pas ce que j'ai longuement échangé hier, mais et puis il faut pas se comparer. C'est deux fois le chiffre d'affaires des remontées mécaniques à Val d'Isère. Eux, ils sont sur un tourisme de masse. Nous, c'est pas notre cas. Et on aurait pu aussi baisser encore plus notre forfait saison et puis l'amener avec une remise plus importante. Ça ne changeait pas le problème de l'achat en volume. Patrick, j'ai bien compris tes explications. Moi, ce que je constate, c'est que finalement, chacune des stations s'est débrouillée toute seule et que lorsque on se débrouille tout seul, on n'a pas la même écoute. Tu me parles de la loi. Évidemment que la loi, c'est la loi. Mais on connaît aussi toute la puissance des lobbies, toute la puissance des gens qui travaillent avec les députés. On sait très bien que tout peut s'aménager. Voilà. Le concept aujourd'hui, c'est que ça va faire plusieurs crises qu'on passe dans l'ensemble des stations françaises et que on n'a jamais une seule voie déterminante pour traiter ces crises. Et c'est bien dommage. Et donc, aujourd'hui,
à titre personnel, je trouve que les 65 000 euros de cotisation sont bien trop cher payés. Très bien. Écoute, nous verrons si nous rejoindrons nos camarades hauts savoyards qui prospèrent tout seuls dans leur coin, sans plus de résultats. Tu as raison. Je te rappelle aussi que la NMSM, donc je ne suis pas forcément un fervent défenseur, finance à 50% France Montagne. On peut rire aussi de ce que fait France Montagne, la communication, etc. Mais ceci dit, ça pèse quand même en termes de communication ce qui était fait. Chacun se rappelle de, même si c'est un petit peu vieux, à la montagne, ça vous gagne. Donc moi, je trouve que ça a du sens. Après, c'est un débat qu'on aura au moment du budget. Si c'est quelque chose que unanimement vous repoussez, eh bien, nous agirons seuls. Et puis, moi, ça me ferait gagner du temps, pour le coup. Moi, si vous voulez, monsieur le maire, je ne veux pas alourdir le débat, simplement, je rejoins donc ce manque de lobbying qui est très clair aujourd'hui, on le constate, mais il s'avère que certaines stations ont des fondations qu'ils ont permis d'utiliser pour ces types de forfaits spécifiques, notamment nos voisins de Tignes. Donc, nous avons une association qui est en somnolence. C'est la rôle millénaire. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce qu'elle a un mort cérébral, etc.? Est-ce qu'il faut la réalimenter? Parce que je vous rappelle que Tignes, c'est la STGM qui participe dans la fondation Tignes et qui a permis le paiement des forfaits de toute la jeunesse tignarde. Ça, c'est un exemple. Simplement, concernant le lobbying aujourd'hui, ce qui est très clair, quand on voit les dérapages de Villard-de-Lans, etc., qui mettent devant l'ensemble des médias les difficultés, qu'ils vont essayer de peut-être pas ouvrir, etc., on n'est pas dans une période où il faut créer la psychose. Je suis intervenu auprès de Jean-Luc Bock, qui m'a dit que demain, il allait faire une déclaration. France Montagne doit être le porteur des messages de la montagne, et non pas que chaque station vienne intervenir en faisant pleurer. La solution n'est pas là. La solution est de mettre tout en œuvre pour obtenir une compréhension des instances gouvernementales, mais ce n'est pas en faisant les lamentations qu'on arrivera à des solutions. Il faut proposer véritablement des actions, et surtout sur l'intérêt général, en associant le côté ski santé. Et non pas dire, oh là là, ce sera difficile, etc. Dans nos affaires, on le sait bien. Aujourd'hui, on anticipe, on change les ampoules, etc. Donc, on est conscient qu'il faut réduire. Mais on ne peut pas faire générer toutes les augmentations à nos clients, parce que sinon, il faut rogner sur nos marges. Ça, c'est la responsabilité de chaque acteur responsable. Donc, aujourd'hui, encore une fois, le lobbying doit venir du haut. C'est exact. Et si l'association des maires, elle a un siège à Paris, il faut qu'elle le justifie avec les contacts au niveau gouvernemental. Et c'est de cette façon-là qu'on arrivera, je pense, avec le plus de reconnaissance de notre caractère saisonnier, hiver-été, et la santé que tous nos Français en ont besoin, et tous les Européens aussi. Et c'est en montagne. Voilà ce qu'il faut œuvrer. Au lieu que dire le ski, c'est pour les riches, etc. C'est faux. Voilà le message qu'il faut apporter. Et j'espère qu'il sera fructueux dans les semaines qui viennent. Sinon, toutes les semaines, vous allez défrayer, tout le monde va pleurer. J'ai 6, j'ai 33%. On sait bien que toutes les augmentations sont là. Certes, il y a eu une bonne fréquentation l'hiver 2021-22 qui reste dans les annales. Bref. Donc, il faut arrêter de pleurer, mais surtout mettre en action des éléments positifs pour réussir cette saison d'hiver. Prochaine. J'ai pas de problème de glande lacrymale, hein, je te promets. Je pleure assez rarement, même si ça m'arrive parfois. Mais en tout cas, à part sur ce dossier-là, moi, je suis plutôt combatif. La solution qui a été trouvée, c'est ce tarif dérogatoire. Si ça ne vous convient pas, parce que c'est l'objet du jour, je vous rappelle aussi que cette délibération va faire l'objet d'un contrôle par le service de l'égalité de la préfecture, savoir si c'est quelque chose qui est retenable ou pas. Je ne voudrais pas me comparer sans cesse. Le maire de Bourg-Saint-Maurice, lui, a fait le choix de dire « moi, je maintiens un tarif pour les gens de pays ». Eh bien, sa délibération est partie directement au tribunal administratif. Je ne suis pas sûr qu'il ait encore répondu. Peut-être lui donnera-t-il raison. Et du coup, nous engouffrerons-nous tous dans cette voie. J'en ai aucune idée. Mais j'ai bien retenu que moi, je pense que travailler ensemble, c'est toujours mieux que de travailler tout seul dans son coin. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Et pour ces tarifs également, est-ce qu'on peut savoir ce qu'il en est des moniteurs, des employés communaux et des personnels travaillant en altitude? Alors, pour les personnels travaillant en altitude, ils se verront délivrer gratuitement un accès
leur permettant d'arriver à leur lieu de travail. Et seulement à leur lieu de travail. Donc les restaurants d'altitude qui seront desservis directement par une remontée mécanique, eh bien l'accès sera gratuit. Pour ceux qui sont loin d'une remontée mécanique, ils pourront prendre la remontée mécanique ou les remontées mécaniques qui permettront de desservir leur lieu de travail. Voilà, gratuitement, ce qui n'était pas le cas, je crois, jusqu'à présent. Et puis pour les autres remontées mécaniques ou les jours où ils ne travailleront pas, ils sont soumis à la même règle. Pour le personnel communal, ça c'est quelque chose qui était déjà en place depuis un certain nombre de temps. C'est la mairie qui achète les forfaits. Et les troisièmes que tu m'as posé, excuse-moi. Les moniteurs. Les moniteurs, ils ont le droit à un tarif dérogatoire à partir du moment qui était gratuit jusqu'à présent à Val d'Isère, donc c'est un peu plus que dérogatoire. On est à peu près les seuls à être à ce niveau-là. À partir du moment où ils ont signé un engagement, une charte, c'est la fameuse charte des moniteurs, devrait, pour la collectivité, soit au moment du critérium, soit au moment des descentes au flambeau. Et là, pour le coup, c'est quelque chose qui concerne les moniteurs, la STVI, le club des sports, même si c'est la commune qui signe cette convention tripartite. Mais c'est quelque chose dont je ne me suis pas occupé. Donc le moniteur, il est sur la même base et à lire les textes, et notamment le peu de travail de la NMSM, Frédéric, le moniteur, il a toujours droit au même principe. Très bien. Mais j'insiste, à Val d'Isère, c'était gratuit, c'est quasiment la seule station en Tarentaise où le forfait était gratuit. Au niveau des moniteurs, c'est très clair, c'est les heures de service. Ils doivent 8 heures de service qui leur fait participer soit aux descentes de flambeaux. C'est les boucliers de l'événement, de chaque événement. C'est la raison pour laquelle... D'où l'intérêt de la charte, oui, quand elle est signée. Comme ça que ça, et ça, d'où l'intérêt de la charte quand elle est signée. Et le tarif, jusqu'à présent, si mes informations sont bonnes, il va rester le même pour cet hiver, c'est-à-dire la gratuité totale. Je vous rappelle le fondement, sans faire trop long, de notre... contrat de délégation de service public, il est basé sur une redevance qui permet notamment de financer notre régie des pistes à autonomie financière. Je dis notamment parce que notre régie, elle n'est pas financée que par ça, sinon elle aurait bien du mal à vivre. Donc on est un petit peu prisonnier d'un système dont nous héritons, qui consiste à dire plus notre concessionnaire fait de chiffre d'affaires, et comme nous touchons un pourcentage, et plus le pourcentage qui est versé à la régie est important. C'est un cercle un petit peu infernal pour deux raisons. Parce que manifestement, le montant de la redevance n'est pas suffisant. Je ne parle même pas de l'investissement, mais je parle juste en fonctionnement. Et que deuxièmement, on est un peu prisonnier de ce système qui consiste à dire qu'il faut qu'on fasse du chiffre d'affaires. Et comme je l'ai rappelé tout à l'heure, nous ne sommes pas sur un modèle de masse. Mon prédécesseur le rappelait, et il avait bien raison, nous ne sommes pas une grande station en nombre, et on n'a aucun intérêt à le devenir. Nous sommes plutôt restreints en nombre de lits, et nous avons l'extrême obligation de les remplir et de vendre des forfaits sur l'ensemble de la saison pour avoir une bonne rentabilité, ce qui n'est pas si mal au titre de la STVI. Je vous rappelle que notre voisin a un certain nombre de lits supplémentaires aux nôtres pour un chiffre d'affaires en finale qui n'est pas le même, mais qui a à peine 10% d'écart. D'une manière générale, je pense que on a compris toute la complexité administrative et comptable de créer ces tarifs. Je dirais que c'est notre cuisine en tant que conseil municipal. Il est indispensable, et je pense que l'objectif du prochain conseil municipal doit être tenu, d'avoir une note très claire à destination des professionnels, des gens de Val d'Isère, des saisonniers et ainsi de suite. C'est-à-dire que ils n'ont pas le même référentiel que nous, et je pense qu'il faut que les termes de l'hiver à venir soit bien plus clair pour tous ces gens-là. Voilà. Je pense que ça me paraît important qu'au prochain conseil, on puisse présenter une note synthétique claire pour tout le monde. C'est un peu l'objet de ma première question, c'est-à-dire de dire quelle est notre réponse au futur saisonnier qui vient s'installer. Et de façon pédagogique, je te rejoins, Fred, pour en effet expliquer tout ça. C'est très lourd pour quelqu'un qui vient de l'extérieur. Donc avoir quelque chose de synthétique et clair. Je vous rejoins tous les deux, puisque manifestement c'est très lourd pour mes conseillers municipaux de comprendre toute la démarche qui a été faite. Donc j'imagine
J'imagine celui qui est au courant de rien, qui a l'habitude d'arriver et qui dit bah, l'année dernière, je payais 572 pour skier sur l'ensemble de l'espace Stine-Val d'Isère, où je pouvais skier sur l'espace que Val d'Isère de manière illimitée. Mais d'abord, il y a des choses qui sont claires, c'est les tarifs qui sont votés. Et puis après, l'explication et les supports, vous avez bien raison, il s'agira de trouver les bonnes solutions et de les expliquer. Des fois, on peut trouver un peu dur, c'est pas le service d'étage. C'est-à-dire qu'effectivement, nos saisonniers, à tous, ils ont besoin de savoir dans quelles conditions ils vont faire du ski. Sachez, je vous ai dit les chiffres les plus importants, il y en a 1/3 qui fait du ski. C'est inquiétant, je pensais que c'était beaucoup plus. Parce que pour moi, d'être le relais de ce que nous sommes chacun dans nos établissements, nos commerces, nos hôtels, nos restaurants, nos supermarchés, c'est vraiment important. Parce que ça participe à l'image de Val d'Isère. C'est pas le cas partout ailleurs. En tout cas, manifestement, on était persuadés que nous étions la station où entre guillemets, ça skiait le plus. Ceux qui skient, skient beaucoup, ça c'est clair. Mais finalement, il y a beaucoup de gens qui ne skient pas. Il nous faut quand même cependant voter cette délibération, si vous le voulez bien entendu, comme à chacune des délibérations, pour que nous ayons aussi une réponse du contrôle de l'égalité qui valide la solution que nous avons fait prospérer. Oui. Mais cela, c'est parce que l'offre piéton n'avait pas été votée. Il me semble que ça avait fait l'objet d'une remarque de M. Roumollard au mois d'avril dernier. Vous l'avez sous les yeux. Voilà, à la lumière de ces explications... Excusez-moi, mais juste, c'est hors de prix quand même, enfin, ce qu'on disait à Cannes, mais 16 euros l'aller-retour piéton. Ça a toujours été très cher. Enfin, ça continue de l'être, alors. À ce point-là, ouais, je n'ai pas le souvenir. C'est 60%. Là, un tarif, il faut vraiment vous enlever ça de votre tête, s'il vous plaît. Un tarif saisonnier, ça n'existe pas. Non, mais un tarif saisonnier. Là, on vote les tarifs qui sont des tarifs publics. Oui, oui. Voilà. Si vous voulez acheter 1000 forfaits piétons, ben vous le payerez 40% moins cher. Si vous trouvez une association quelconque. Non, mais il y a plein de réflexions. On peut y passer la matinée, si vous voulez. Hein. Il y a plein de réflexions possibles par rapport à nos clients. Il y a des gens qui vont s'engouffrer là-dedans. Sur le fait, c'est pour ça que je préférerais que ce soit une association locale, à Tignes notamment. Et puis après, j'arrêterai de parler de nos voisins. Mais les propriétaires ont décidé d'adhérer à Tignes Développement. Donc du coup, c'est une source de perdu pour la société de remontée mécanique de Tignes, et donc par rebond pour la commune de Tignes, et donc du coup elle part dans un exercice qui consiste à construire toujours plus de lits pour maintenir un niveau de recettes. Ce n'est pas notre modèle. Bien. Il vous est donc demandé d'approuver ou pas ce complément de tarif proposé par Val d'Isère Téléphérique pour la saison d'hiver 2022-2023, je précise bien 2022-2023, ça n'augure pas de ce qui se passera en 2023-2024, et d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Des votes pour? Je vous remercie vraiment. Les autres fois aussi, je vous remercie, mais là, je vous remercie vraiment. Et je passe... Pas du tout. Je garde la parole pour le point numéro 2. La SEM Chacoval a entrepris la construction d'un programme immobilier dit l'Écove 3, comprenant, c'est son nom officiel, même si ça s'appellera les sources, comprenant 42 logements de type 1 bis à T3. Afin de pouvoir finaliser l'opération, il est nécessaire de faire un emprunt complémentaire d'1 500 000 euros. Donc, il est demandé à la commune de supporter sa SEM locale en garantissant ce prêt auprès de la Caisse d'épargne. Vous avez tous les détails du prêt en annexe. Le bâtiment avance bien. Les travaux ont provoqué un certain nombre de désagréments bien naturels.
Mais en tout cas, nous sommes toujours sur un bon timing pour fournir la livraison de ces 42 logements à la fin de la saison d'hiver, début mai, ce qui peut être surprenant comme date, mais qui permettra en tout cas d'abord de bien finir l'immeuble et deuxièmement de l'emménager dans de bonnes conditions. Souvent, on livre ces bâtiments en novembre et ça se fait à l'arrache dans de mauvaises conditions. Là, on n'était pas dans le calendrier qui permettait d'ouvrir ou d'octroyer ces logements en fin de saison. Donc, du coup, on va le finir comme il faut et il sera livré au printemps prochain. Est-ce que vous avez des questions? Oui, monsieur le maire. Simplement, j'ai un peu le premier dossier de financement concernant cette opération. Je vois que le courrier de la Caisse d'épargne indique un financement complémentaire. Si vous pouviez nous rappeler le montage initial et si ce dossier vient en complément d'un premier dossier, de combien? Oui, alors le premier dossier était de 6 millions d'euros. Et puis après, entre le moment où on a lancé notre projet de ce dossier de consultation des entreprises, je dis notre, je me sens parfaitement solidaire de la Sacoval, bien entendu, dont je vous rappelle que nous sommes actionnaires à hauteur de 72%, nous, la commune, peut-être 6 millions d'euros. Force est de constater que nous aurons un atterrissage qui sera plus proche de 7,5 millions, d'où un besoin de financement d'1,5 million d'euros supplémentaires, avec un taux fixe qui est un petit peu plus élevé que le premier. Il ne vous a pas échappé, même à la retraite, si on remarque, les taux sont en train de s'envoler. Donc, du coup, nous sommes sur un taux qui est un peu plus important que les premiers 6 millions d'euros. La commune garantissant ce prêt, c'est bien la Sacoval qui le contracte. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres remarques? Qui est contre le fait de soutenir notre SEM Sacoval? Qui s'abstient? Qui est favorable? Je vous remercie. Le point numéro 3, il s'agit du rapport de la délégation du service public SCV et Valbus pour l'exercice 2021. Ces rapports sont ici présents, ils vont en tout cas sous format papier, si vous voulez les consulter. Ce qui a changé, c'est que c'est un seul et même rapport délégataire. Avant, il y avait un rapport pour les bus, un rapport pour la STVI, un rapport pour les remontées mécaniques. Là, c'est un seul et même rapport. Nous l'avons lu attentivement, nous avons échangé avec notre délégataire. Et aujourd'hui, devant le conseil municipal, je viens vous informer et je vous demande juste de prendre acte de cette communication. Mais je vous demande aussi si, à sa lecture, vous avez des remarques ou des questions. Juste, est-ce qu'on pourrait demander à notre délégataire d'être un petit peu plus rapide pour ce rapport, étant donné qu'on se retrouve là un an après septembre, donc ça veut dire qu'on va être bientôt sur 2 ans après la fin de saison d'hiver. À mon sens, si on a des ajustements à faire sur la saison qui vient, c'est déjà trop tard. Donc il me semble que demander que le rapport de septembre soit produit au plus tard à la fin de saison qui suit me paraît acceptable. Les rapports, ils doivent être produits au 1er juin. C'est contractuel. Et comme c'est un exercice complet, en fait, tu as toujours quasiment 2 ans de décalage. Et c'est le cas sur... Là, plus tard, vous avez les rapports de DSP, Centre Aquasportif, CHO et compagnie. C'est le même principe. C'est l'exercice 2020-2021 et pas 2021-2022. Il y a toujours un décalage. Je ne comprends pas. L'exercice 21-22, Frédéric, n'est pas fini. Donc on ne peut pas avoir le résultat. On est bien d'accord. Je parle bien de ce rapport de 2021. Donc qui on l'a eu au 1er juin. D'accord. Comme c'est... Ok. Voilà. Alors après, on l'a regardé, on l'a étudié. Quelquefois, il n'était même pas passé au conseil municipal. Nous avons fait le choix de le passer de manière assez régulière. Il nous a été fourni au 1er juin. Nous l'avons observé, étudié, discuté, échangé. Il est présenté. On pourrait, dans l'absolu, le présenter au conseil municipal du mois d'août en étant un petit peu plus rapide. Le présenter en juillet, c'est compliqué. Hein. Ou alors, on dit, hop, on l'en présente. Et puis... Mais c'est comme un peu les comptes administratifs. Hein. C'est le rapport qui fait le reflet de ce qu'a été l'activité du délégataire. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ce décalage. Ils ont un exercice un petit peu comme la SEM au 30 septembre. Il faut qu'ils fassent leur résultat comme n'importe quelle société qui doit être fournie dans les 3 mois et 15 jours, donc qui est fournie à peu près à la mi-janvier. Et puis derrière, j'imagine qu'il y a une assemblée générale chez eux pour valider tout ça. Voilà. Et contractuellement, c'est le 1er juin. Je connais très bien les rouages administratifs et juridiques d'une entreprise, Patrick. Je constate juste qu'il apparaît au mois de septembre et vraisemblablement, vous l'aviez au mois de juin et c'est exactement ce que je demandais. Voilà, c'est tout. D'accord. Donc au 1er juin.
Mais voilà, on essaiera de le faire au 1er juillet s'il faut, mais on ne peut pas passer ça par-dessus la jambe. Il faut quand même le regarder. J'imagine que vous l'avez tous lu et attentivement épluché. Voilà, il s'agit d'une information et je vous demande de prendre acte de cette communication. Je ne sais pas si ça va faire l'objet d'un vote, le fait que vous ayez pris acte. Si. Bien, alors je vous demande de prendre acte que vous avez bien eu communication de ce rapport du délégataire pour l'exercice 2021. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre, du coup, qui s'abstiennent, qui sont favorables? Je vous remercie. Et je passe la parole à Véronique. Oui, merci. Donc, pour le point numéro 4, donc, dans la prolongation donc, du conseil municipal du mois de juillet, donc, il est proposé à votre approbation l'avenant numéro 4 pour la délégation de services publics pour l'exploitation du centre aquasportif, puisque, comme vous le savez, la procédure d'attribution de marché public pour la délégation du centre aquasportif a été déclarée sans suite, donc le 11 juillet, puisqu'on avait constaté que l'équilibre économique proposé ne convenait plus suite à crise Covid, l'impact financier de l'équilibre du contrat proposé par Recrea, puisque c'était eux qui étaient sortis premiers de cette consultation. Donc, pour exploiter le centre aquasportif cette année, il nous faut prolonger l'ancien contrat donc, qui nous liait à la SEMSG Valdi pour une durée donc, d'une année, donc jusqu'au 30 septembre 2023. Alors, aux conditions tarifaires inchangées strictement, puisque nous ne pouvons modifier l'équilibre économique du précédent contrat. Donc on était sur une contribution annuelle de 127 000 euros, plus une contribution également sur des créneaux d'élégants. Donc on est sur des termes strictement identiques. Donc cet avenant va nous permettre de relancer une procédure de marché public pour le futur contrat de délégation avec des termes modifiés puisque a priori les investissements seront portés par la collectivité. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions sur ce point particulier. Oui, Véronique, j'en ai une. Simplement, est-ce que Recrea a engagé une procédure par rapport à la décision? Est-ce qu'ils ont engagé une procédure? Ils ont fait une demande de document, mais après, il n'y a pas eu de procédure. Enfin, pour le moment, il n'y a pas de procédure. Service juridique. Ils ont demandé des informations. Voilà. Donc, cet avenant numéro 4, est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre, qui s'abstiennent, qui sont pour? Je vous remercie. Donc le point numéro 5, ça concerne des décisions modificatives donc sur le budget principal de la ville. Donc c'est pour modifier donc certains crédits. Donc en section d'investissement, donc on a des modifications à apporter puisqu'effectivement en dépenses, il nous faut provisionner donc le plan qualité route. Donc l'année dernière, pour mémoire, on avait eu une remise. La région avait pris en charge la part communale pour le plan qualité route, ce qui n'est pas le cas pour cette année 2022. Donc il nous faut l'intégrer donc en investissement. Et puis, pour prendre en compte des dépenses supplémentaires liées aux travaux qui sont actuellement menés dans les locaux de la police municipale. On a besoin d'augmenter effectivement les volumes de dépenses. En parallèle, on diminue certaines dépenses, donc suite à l'annulation de certaines opérations,
Donc, comme nous l'avons vu, donc, les travaux d'aménagement de l'avenue du Prarion. Donc, ces dépenses sont contrebalancées par une augmentation de recettes de 336 697 euros, liée à un remboursement de la CCHT, puisque la commune avait préfinancé une partie des travaux de la plage de dépôt dans la plaine de la Daille, et donc cette somme nous est restituée, et plus un complément sur une cession qui a eu lieu au CARA. Voilà sur les investissements. En fonctionnement, pareil, donc on a des ventilations un petit peu différentes. Pour prendre en compte notamment une augmentation donc des recettes de l'ordre d'1 113 923 euros, donc ce qui est une excellente nouvelle puisque la taxe des remontées mécaniques était en augmentation par rapport au budget prévisionnel, et puis également sur une augmentation de la taxe de séjour qui a été collectée cette année. Donc en dépenses, on a des augmentations également liées notamment aux variations de la masse salariale, puisqu'il y a une revalorisation de l'indice qui est intervenue en juillet. Et puis différentes opérations, donc les honoraires d'avocats pour la ZAC du coin. Les frais de nettoyage des locaux liés à la passation de marché qui a été relancée. Voilà, donc tout ceci s'équilibre. Est-ce que vous avez des questions complémentaires ? Non, une remarque que l'on a déjà faite lors de la commission finances sur le supplément des frais liés à des aléas sur la police municipale de 104 000 euros, qui sont énormes, pour lesquels on n'a pas d'explication. En tout cas, on n'en avait pas lors de la commission. Amusant, puisque le maître d'œuvre JML a pour slogan l'authenticité maîtrisée. J'ai vu ça en passant devant ce matin, je veux dire. Ça ne semble pas si maîtrisé que ça. Est-ce qu'on a des explications à ces aléas, Françoise ? Alors, JML respecte tout à fait l'enveloppe qu'on lui a donnée concernant sa mission de maîtrise d'œuvre. Les 100 000 euros sont essentiellement dus à 80 000 euros, qui étaient donc une différence entre la réalité du marché et ce qui avait été estimé par le maître d'œuvre par l'étude. C'est uniquement ça. Et après, on se prend évidemment des petites augmentations qui sont dues au marché actuel qui augmente tous les jours. Et au prix des matières premières. En fait, entre le moment où tu estimes des travaux et la réalité quand tu fais le marché et que les entreprises te répondent, il y a forcément un delta, et ce delta, c'est là. Ça te va, Ingrid ? C'est pour laquelle je ne voterai pas pour, parce que je trouve que 20% d'augmentation sur un budget comme ça, et on l'a évoqué en ce moment, je sais très bien, c'est tout le débat de dire est-ce qu'il ne faut pas un devis qu'on signe avec un montant et pas de delta aussi important. Le devis, c'est que tu as un... C'est bien, mais... C'est pas comme ça que ça fonctionne. Aujourd'hui, les devis ont une validité à peu près de 15 jours. 15 jours, ouais. Donc la problématique quand on lance des marchés publics, c'est que ce sont des procédures qui sont longues. On n'est pas très réactif quand on est une collectivité. Entre le moment où effectivement on fait faire une étude, on fait chiffrer, estimer, donc c'est sur cette base-là qu'on adopte un budget. Derrière, on lance un marché avec une consultation d'entreprise. Les entreprises répondent. Elles répondent au prix du moment. Et donc aujourd'hui, on le constate partout, vu les variations tarifaires. Effectivement, on aurait pu se dire, on est en dépassement budgétaire, donc on annule tout, on ne fait plus rien. Mais ce n'est pas possible. Peut-être que la bonne solution, c'est de prévoir une marge de 10% sur les budgets. Puisque de toute façon, on sait que on a des variations tarifaires liées à la procédure de marché public. Je comprends ta remarque, Ingrid. Ce que je répète à l'envi, non pas pour
les logorrhées, mais je répète à l'envi, c'est qu'on vient d'être bercé d'années sans inflation. Et que ce qui est nouveau et ce qu'on doit intégrer dans notre comportement ou dans nos prévisions, hein, pour le coup, hein, et ça va sans doute freiner nos capacités à faire, c'est que maintenant l'inflation, elle est vraiment repartie. Et le point précédent sur les sources, c'est exactement ça. Hein. J'aurais préféré que l'ensemble du bâtiment coûte 6 millions plutôt que 7,5 millions. Mais en même temps, il y avait une urgence à faire. Et l'équilibre est à trouver entre cette lourdeur administrative et puis la réactivité qu'on doit avoir pour prendre les bonnes décisions et faire les bons choix. Est-ce que sur cette décision modificative numéro 2 au budget principal de la ville, est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre, qui s'abstiennent, qui sont pour ? Je vous remercie. Donc le point numéro 6, pareil, une décision modificative, mais là sur le budget annexe équipement culturel et sportif. Pour prendre en compte, donc sur la section d'investissement, ventilation de dépenses un tout petit peu modifiée, vu que la SEM avait prévu sur les équipements d'été certains investissements qui n'ont pas été réalisés à hauteur de 76 670 euros. Il a été ventilé différemment ce budget pour pouvoir permettre de réaliser les travaux, notamment de la fameuse fosse septique du clubhouse du Manchet et des travaux d'entretien au centre aquasportif qui sont des obligations contractuelles sous l'égide donc du contrat dont on vient de voter l'avenant. Voilà, donc pour l'investissement et pour le fonctionnement, on a également une ventilation un tout petit peu différente à hauteur de 42 970 euros. Donc pour intégrer des recettes en augmentation du village des enfants à hauteur de 32 470 euros. Et un abondement, c'est, je pense, une des rares dotations Covid qui a reçu la collectivité, donc à hauteur de 10 500 euros, pour compenser les pertes liées à la crise Covid. Et donc ces sommes-là sont ventilées sur des dépenses qui sont liées à des dépenses complémentaires sur l'énergie et sur l'eau pour l'ancienne piscine et le village des enfants. Et puis, pour prendre en compte donc le nouveau marché pour le centre aquasportif, donc les honoraires des conseils pour 10 500 euros et les publications des annonces liées au lancement du marché public. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques ? Je vais paraître un petit peu pénible. Je ne vais pas parler de fosse septique, Véronique, je promis. Non, simplement pour revenir sur le bâtiment du village des enfants, sur lequel on a encore 7 000 euros et qu'on a évoqué aussi en commission finance. On a eu des explications en off par mail sur ce bâtiment. Il y a bien un problème et j'aimerais qu'on essaie de le résoudre. Je sais que ça dure depuis 2017, je crois, enfin, qu'on s'est avéré. Il y a une déperdition de chauffage, de gaz énorme sur ce bâtiment. On ne sait pas l'expliquer. Je ne sais pas si on était, enfin, un particulier aurait déjà trouvé des solutions, je pense, et je ne comprends pas qu'on n'arrive pas à expliquer ça. Je sais qu'on l'a déjà évoqué, je sais que vous n'avez pas de réponse, mais il faut absolument prendre ce dossier en main, parce que là, c'est énergivore au possible. Et vu le. L'augmentation non, mais... des. Oui. Oui, non, mais complètement. Tu as tout à fait raison. Il semblerait qu'il n'y ait pas de faute, d'erreur, de panne technique, de fuite ou de. Je pense que c'est peut-être un problème du bâtiment lui-même, qui est une passoire thermique. Et donc, ça sera. Oui, il va y avoir peut-être des investissements à faire sur ce bâtiment, c'est sûr. Mais on est dessus. On s'en occupe. Bien. Juste une petite remarque. Quand tu reçois un mail, du coup, c'est pas en off, hein, c'est vraiment officiel. Oui, quand il y a des mails qui circulent. Ce que je veux dire, ce qui n'est pas public. C'est ce que je veux dire. L'explication était tout à fait collective, je l'entends. Mais on s'en occupe, comme dit Françoise, c'est inquiétant, parce qu'effectivement, si c'est vraiment une passoire thermique,
il y aura des décisions draconiennes à prendre. Hein. Voilà, mais c'est, ça consomme grosso modo. Véronique avait cité un exemple en comparaison. Le double de ce qu'un un autre bâtiment, lui, bien isolé, pour le coup, consomme. Voilà. Donc sur... J'ai fait voter ou pas ? Non. Alors, on va voter. Donc sur le budget annexe équipement culturel et sportif, qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Je vous remercie. Donc le point numéro 7, pareil, c'est une décision modificative donc sur le budget annexe eau assainissement. Donc c'est une ventilation sur la section investissement un tout petit peu différente pour prendre en compte le fait que l'opération sur le réseau d'assainissement du col de l'Iseron n'aura pas lieu cette année. Donc on ne va pas mobiliser des fonds inutiles, enfin on ne va pas geler ces fonds-là. Et puis pour permettre le financement complémentaire des travaux qui ont lieu actuellement sur les réservoirs pour l'eau de Bellevarde. Donc il y a eu, pareil, un surcoût sur ces travaux-là, non pas lié au marché en lui-même, mais pour prendre en compte la création d'une dalle de répartition sur ces cuves pour permettre le passage d'engins lourds sur ces citernes pour les préserver. Donc les dépenses donc, s'équilibrent à hauteur de 155 983 euros. Est-ce que vous avez des questions sur ce point ? On va procéder au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Merci. Donc le point numéro 8, il s'agit pour le conseil municipal d'approuver la tarification pour le centre aquasportif pour l'année 2022-2023, donc l'actuelle, enfin la prochaine saison d'hiver et saison d'été. Donc vous aviez la grille tarifaire qui était jointe en annexe. Donc globalement, on est sur une augmentation, une variation d'à peu près 5%. Sur tout ce qui est tarif sur la piscine, donc ce qui porte un ticket piscine à 8 euros, là où on était à 7,60 euros précédemment. Et puis des augmentations un tout petit peu plus marquées sur tout ce qui est espace bien-être. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions complémentaires. Non. On va procéder au vote sur ces tarifs. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Je vous remercie. La même chose, mais pour la patinoire. Donc, pour les tarifs 2022-2023, donc l'hiver 2022-2023 et l'été 2023. Donc, puisque ça intègre également les tarifs pour les petits bolides, dont le jeton va passer à 2,60 euros. Et puis les tarifs, par contre, pour la patinoire ne sont pas augmentés cette année. Donc on reste sur une entrée à 8,50 euros. Est-ce que vous avez des questions sur ce point ? Non ? On va procéder au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Je vous remercie. Le point numéro 10, il s'agit, même chose, de la tarification pour le centre Henri Oreiller. Donc il n'y a pas d'augmentation cette année pour la tarification des salles, du matériel, projecteurs, ces choses-là. La seule chose qui augmente, c'est la prestation, je ne vais pas dire catering, mais traiteur, alimentaire en tout cas. Voilà, puisque ça a été revu pour prendre en compte les augmentations liées à l'inflation. Est-ce que vous avez des questions sur ces tarifs ? Non ? On va procéder au vote. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Je vous remercie. Donc, le point numéro 11...
12 et 13 concernent les rapports du délégataire pour les exercices 2020-2021. Donc pour le centre aquasportif, pour le point numéro 11, juste à dire qu'on a constaté une diminution de la fréquentation sur l'exercice, et notamment sur les pôles muscu-fitness, une augmentation par contre de fréquentation sur les sports collectifs. Ils étaient relativement contents de l'année sur l'exercice 2021. Donc vous avez les rapports complets qui sont présents sur la table, vous pouvez les consulter, et vous les avez également, je crois, sur le partage des élus. Donc il faut juste voter pour prendre acte que vous avez eu les rapports. Donc sur le point 11, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Merci. La même chose, le point numéro 12, c'est pour le centre Henri Royer. Donc il y a eu effectivement le rapport de gestion laisse apparaître qu'il y a eu une bonne reprise en décembre, mais qu'après on a eu un report de la clientèle internationale lié à la fermeture des frontières avec l'Angleterre. Il y a eu quelques annulations de séminaires également. Le chiffre d'affaires était un petit peu en deçà de ce qui était attendu. Voilà, il vous faut... Il y avait surtout un report des créneaux d'élégants qui devait être fait et qui n'a pas été fait. Il faut être bien clair là-dessus. C'est bien dommage que le centre Henri Oreiller soit vide par moment, alors qu'à l'époque il était utilisé dans le cadre des créneaux d'élégants, et que la fin des créneaux d'élégants sur le centre Henri Oreiller a provoqué un déplacement de l'ensemble des réunions municipales et autres vers d'autres structures que sont la maison de Val, le club de sport et ainsi de suite. C'est bien dommage pour l'équilibre financier de la SEM. Alors, le choix de... Alors, il y a une modification de contrat quand on a renégocié les contrats de délégation sur le centre des congrès à la patinoire, puisqu'effectivement, avant, c'était une tarification forfaitaire pour la collectivité, pour tous les usages, je dirais, internes. Donc, que ce soit les écoles, les associations, la collectivité même pour ses services... c'était une tarification forfaitaire, que ce soit utilisé ou pas. Pendant le Covid, quand le centre Henri Oreiller était fermé, la collectivité a payé l'intégralité des créneaux d'élégants. Donc c'était non plus pas très normal. Donc là, il avait été pris le parti de facturer au réel à l'heure les utilisations de la collectivité. Et c'était aussi pour répondre à une demande de la SEM. C'est une très bonne preuve de gestion de la commune. Je ne la remets pas en cause. Je rappelle juste que ça déséquilibre une partie du centre des congrès, puisque il y avait quand même des réunions qui étaient faites jusqu'à présent au centre des congrès où on espérait qu'elles soient payées au réel. Dans cette nouvelle manière de voir les choses, force est de constater qu'il n'y en a aucun, si ce n'est ceux qui sont donc utilisés par Val d'Isère Tourisme dans le cadre de certains événements. C'est juste dommage. Après, c'était aussi pour répondre à une demande de la SEM, qui constatait que par période, elle ne pouvait pas prendre de séminaires puisque les locaux étaient utilisés en interne. Donc c'était aussi pour faire cette balance-là. Après, que l'équilibre économique pour la SEM soit modifié, je l'ai constaté, effectivement. La remarque de Fred est pertinente. Hein. Si l'exercice consiste à systématiquement aller ailleurs qu'au CHO, c'est quand même fâcheux, parce que c'est une forme de distorsion de concurrence. Donc il faudra veiller, effectivement, à la répartition des salles. Je pense à celle-ci, mais je pense à d'autres, hein, pour qu'il y ait quand même un bon équilibre. C'est difficile de facturer un endroit si c'est gratuit ailleurs. Je pense que c'est le sens de ta remarque, Frédéric. Okay. Donc, sur le rapport de délégation du centre Henri Oreiller, est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre, qui s'abstiennent, qui sont pour? Je vous remercie.
Et la même chose donc pour la patinoire, pour l'exercice 2021. Donc la patinoire a eu un beau succès sur cet exercice-là, avec un chiffre d'affaires qui a été supérieur au prévisionnel et avec une belle attractivité pour l'activité petit bolide en été. Voilà. Est-ce que vous avez des remarques particulières sur ce rapport? Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre, qui s'abstiennent, qui sont pour? Je vous remercie. Donc, le point numéro 14, les tarifs du village des enfants. Donc, ce sont des tarifs qui n'ont pas été augmentés depuis de très nombreuses années. Donc, c'est pour ça que le niveau, enfin, les pourcentages présentés peuvent paraître un petit peu élevés pour certains, puisqu'on a des variations qui vont jusqu'à 12%. Mais ça fait plus d'une dizaine d'années que les tarifs du village des enfants n'ont pas été revus. Donc, pour prendre en compte l'inflation, le coût de l'énergie... parce que la SEM nous a pas demandé de révision de tarifs sur le village des enfants. Donc, on a eu cette demande. On a regardé les tarifs avec eux. Et donc, effectivement, on vous propose la grille tarifaire qui vous est proposée pour prendre en compte, effectivement, le coût réel de l'exploitation de cette garderie, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez des questions complémentaires? Pardon? Pour payer le gaz. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre, qui s'abstiennent, qui sont pour? Je vous remercie. Donc sur le point numéro 15, donc c'est un point qui concerne donc les RH, c'est l'évolution du tableau des effectifs du personnel. Donc c'est une régularisation pour création de postes. Dans le cadre de la restructuration donc des services pour faire face aussi à pas mal d'employés qui sont partis, on a restructuré certains services. Donc on a la nécessité de créer des postes nouveaux donc au niveau du tableau pour pouvoir effectivement acter l'embauche des personnes. Donc ça concerne la création d'un poste de directeur des affaires culturelles en catégorie A, la création d'un poste d'assistant administratif urbanisme et foncier en catégorie C, la création d'un poste de référent chantier en catégorie C, la création de deux postes d'agent spécialisé petite enfance en catégorie C et un poste d'auxiliaire puériculture en catégorie B. Le poste d'un agent polyvalent de restauration pour le restaurant du personnel. La création d'un poste de gestionnaire ressources humaines en catégorie B. La création d'un poste d'agent comptable en catégorie C. Voilà. Donc pour les postes qui concernent les agents pour la petite enfance, donc c'est suite à un choix qui a été fait par la collectivité de pérenniser, de plus avoir recours à des saisonniers pour certains postes, parce que force est de constater qu'on n'arrive pas à recruter sur des postes saisonniers des personnes qui s'occupent de la petite enfance. Donc on a souhaité pérenniser, donc proposer ces trois postes à l'année pour pouvoir donner de la stabilité au service et puis pour pouvoir permettre une ouverture et avoir les ressources en personnel, parce que ça devient vraiment très très compliqué, même s'il y a eu des modifications là, puisque ce ne sont pas des spécificités à Valines que d'avoir des problèmes de personnel sur la petite enfance, mais c'est bien national. Donc il y a eu une modification de la loi, puisque maintenant certains personnels peuvent ne pas être formés, ils demandent plus de diplôme pour certains postes. Sous condition d'un taux d'encadrement avec des personnels qui sont, eux, qualifiés.
Voilà, donc ces personnels-là seraient plutôt saisonniers, mais par contre, on souhaite effectivement renforcer l'équipe à l'année avec ces trois postes-là. Voilà, je pense, je ne doute pas que vous avez des commentaires ou des questions. Oui, enfin, j'ai l'impression de répéter les mêmes choses, mais il aurait été bien d'avoir le tableau des effectifs et de voir les temps pleins effectifs, hein, réels. Et surtout, et là c'est une question totalement naïve, je ne comprends pas, quand on crée des postes comme ceci, ça veut dire qu'on ouvre des postes, est-ce qu'il ne faut pas en fermer d'autres ? C'est le principe du tableau des effectifs, non ? Oui, justement, on en crée, donc on en ferme d'autres. C'est le pendant, je pense qu'on aura la régularisation prochainement. Sauf qu'on n'était pas prêt au niveau des RH, et par contre, on a recruté certaines personnes, donc on a la nécessité de devoir ouvrir ces postes pour pouvoir embaucher officiellement les personnels. Donc là, on vous propose que les créations. Oui, non, mais c'est une question. Typiquement, Ingrid, pour la crèche, on prend cette décision de dire notre fonctionnement avec des saisonniers n'est pas pérenne, on a des difficultés, on n'arrive pas à recruter. Donc on crée ces postes, on n'aurait pas pu embaucher ces gens-là. Si on n'avait pas créé ces postes à l'année, on ne pouvait pas les embaucher. Non, mais j'entends supprimer bien, les autres saisonniers, ça me paraît un petit peu précipité. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas parce qu'on crée des postes à l'année qu'on va trouver les gens. Donc il faut qu'on se garde les deux. Et souvent, et je conçois que ce soit difficile à comprendre, mais ce n'est pas parce qu'il y a un poste de créé qu'il y a un personnel qui l'occupe. Par contre, il y a une certitude, c'est que si ton poste n'est pas créé, tu ne peux pas embaucher la personne. Oui, bien sûr. Et c'est cette espèce de souplesse qu'on cherche à trouver. L'objectif, c'est pas de... Je sais que tu es très vigilante là-dessus, et tu as bien raison, c'est pas de gonfler de manière inconsidérée à la fois le nombre de personnels et la masse salariale afférente, c'est de pouvoir mener une politique publique correcte. Des fois, on prend des décisions, et en tout cas, moi, je tiens à saluer le travail de personnes autour de la table, conseiller municipal, pour trouver des solutions. Cette solution, c'est celle qu'on a trouvée. On espère qu'elle va fonctionner. On n'a aucune certitude. La seule certitude qu'on avait, je me répète, c'est que si le poste n'était pas créé, on ne pouvait pas embaucher. Alors, je rebondis là-dessus, parce que je voulais l'évoquer dans les questions diverses. J'ai vu qu'au niveau régional, il y avait une incitation à scolariser les enfants à partir de 2 ans. Oui, trois. Non, de 2 ans. De 2 ans, justement, d'anticiper la scolarisation à partir de 2 ans, ce qui, pour nous, répond à 2 problématiques. Libérer des places en crèche, où on en a peu, et éviter des fermetures de classes. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui est étudié ? Aujourd'hui, ce qui est étudié, c'est des décisions qui ne nous appartiennent pas. C'est l'Éducation nationale qui prend la décision. On a une réunion, je crois, la semaine prochaine, avec la nouvelle inspectrice d'académie qui vient d'être nommée là, il y a une dizaine de jours. L'objet de cette réunion, c'est de pouvoir créer une petite section. Ça veut dire déjà accueillir les enfants qui ont 3 ans révolus au 1er janvier. Ça veut dire que quand l'enfant a 3 ans, il peut rentrer à la maternelle. Mais ça peut être le 15 janvier, le 15 février, le 15 mars. On n'ira pas forcément plus loin parce que derrière, l'année scolaire est vraiment trop courte. Sur Val d'Isère, ça correspondrait à 8 enfants. Mais aujourd'hui, on n'est pas encore dans les 2 ans. Il faut déjà qu'on passe par cette case 3 ans révolus. En sachant que voilà, c'est l'Éducation nationale qui prend les décisions et que normalement ça se fait pas, ça se fait que dans des ZEP, en fait, dans des zones d'éducation prioritaire, parce que l'Éducation nationale dit de toute façon si on n'accueille pas ses enfants, ils restent à la maison. Donc nous on leur fait un petit peu valoir l'argument, de toute façon nos enfants vont aussi rester à la maison et les parents ne pourront pas travailler. C'est pas pour les mêmes raisons, mais voilà. Donc on a cette réunion là la semaine prochaine. On travaille là-dessus. Et ça fera l'objet d'un échange avec la nouvelle inspectrice de l'éducation nationale et évidemment les institutrices de la maternelle, un enfant et un certain nombre d'entre vous en avaient eu, c'est pas un truc qu'on déplace, hein. C'est pas juste pour le caser. Non, mais déjà, parce que ce que propose l'État, je vais surtout faire attention à ce que je vais dire, mais ils sont bien gentils, je veux dire, on met des profs maintenant qui sont formés en 4 jours, on nous propose pour résoudre un problème d'avoir des gens qui sont non formés pour garder nos enfants. Voilà, il faut juste trouver un équilibre. On est dans les effets d'annonce. Nous, ce qu'on essaye de faire prospérer, c'est effectivement d'abord, dans un premier temps, cette solution, puisqu'effectivement, cette année, il y a une grande tension sur l'accueil à la crèche, et ça permettrait de résoudre, Fabien vous l'a dit, un certain nombre de problèmes. L'inspectrice de l'Éducation nationale n'est pas obligée d'accepter, et c'est pour ça que moi, je prône avec elle et avec les institutrices, puisqu'il s'agit de 3 dames, à la rentrée scolaire qui s'est bien déroulée, puisqu'on en a à peine parlé jeudi, donc du coup, quand on n'en parle pas, c'est que ça se déroule bien. Voilà, pour échanger, pour qu'on puisse faire trouver cette solution-là.
Il y a beaucoup d'enfants en maternelle à Val d'Isère, et on en rajoutera encore un petit peu, mais je suis sûr que, en force de discussion et d'échange, on va pouvoir obtenir un accord. Et pour à nouveau rebondir sur la crèche, la formule qui est appliquée à Tignes, enfin qui est utilisée à Tignes, je vais encore parler de Tignes, qui est une crèche associative, si j'ai bien compris, est-ce que c'est quelque chose que nous, on pourrait envisager, mettre en place ici ? Alors, créer une association, la commune, non. L'aider, bien sûr, mais est-ce qu'on peut suggérer auprès de parents ? L'aider, la soutenir, voir ce qu'on peut faire au niveau des locaux, évidemment. Mais l'associatif, ça, par définition, ça devient d'une association. Et le rôle de la collectivité, c'est d'accompagner. Ce qu'on constate à Tignes, c'est que c'est très compliqué au niveau de la crèche associative. Ça a fonctionné au début parce qu'il y avait un noyau dur de parents qui était très engagé, comme dans toute association, donc ça fonctionnait bien. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans une crèche associative, c'est les parents qui font les recrutements, c'est les parents qui font les fiches de salaire. Enfin, c'est une association. Donc, ils sont autonomes, indépendants. Aujourd'hui, ils sont vraiment en difficulté. Ils avaient, en fait, à Tignes, une crèche associative donc, qui était plus pour le côté résident à l'année ou résident en saison, et puis une crèche qui était touristique. Aujourd'hui, la crèche touristique est terminée. Ils ont transformé cette crèche touristique en crèche communale. Parce que au niveau de la crèche associative, c'est très compliqué. Donc, ils gardent les places. La mairie de Tignes est vraiment au soutien là-dessus, mais ils sont en grande difficulté, notamment sur les recrutements, parce que nous, on le voit, c'est compliqué au niveau de la mairie. Mais on a quand même des personnels au niveau des RH qui s'occupent de faire les recrutements, etc. Là, c'est les parents qui doivent vraiment s'impliquer là-dedans et faire les recrutements, et c'est très compliqué pour eux, quoi. Donc oui, nous, si demain on a une association qui se monte et qui vient et qui nous dit on veut créer une crèche associative, on sera clairement en soutien. Maintenant, c'est pas notre rôle directement de le porter. Comme par exemple pour la MAM, on travaille sur un projet de MAM pour le mois de mai l'année prochaine. C'est pas la mairie directement qui porte ce projet. Nous, on est au soutien sur les locaux, on est au soutien sur toutes les démarches administratives avec la CAF notamment, qui doit donner un certain nombre d'accords. Mais j'ai envie de dire, sans ressources, sans assistante maternelle, ce projet, on ne peut pas le porter, quoi. Oui, voilà. Bien sûr. De même, on a prévu aussi une réunion avec tous les parents de la crèche pour justement essayer de les mettre en contact et leur proposer justement de créer peut-être cette association, parce que c'est vrai qu'à la crèche, chacun est un peu de son côté. On vient amener son enfant à n'importe quelle heure. Il n'y a pas de liaison entre les parents et on va essayer de la créer justement pour trouver des solutions. On a plein de petites solutions. On espère que toutes ces petites solutions marcheront et que ça fera une grosse solution. Voilà. Ça a été rappelé, parce que vraiment, pour échanger avec nombreux de mes collègues, mais que ce soit en Savoie et ailleurs, c'est une problématique nationale, hein, mais qu'on retrouve dans plein de domaines. Voilà. Nous, localement, alors tout le coup, tout seul, on cherche à trouver les bonnes solutions. Après, avoir beaucoup d'enfants qui naissent à Val d'Isère, il faut aussi se réjouir. Hein. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que les gens, quand ils sont jeunes parents à Val d'Isère, ils n'hésitent pas à avoir des enfants. Donc c'est une bonne nouvelle. Après, la suite est un petit peu moins drôle, puisqu'effectivement, difficulté à faire garder, difficulté à rester à Val d'Isère quand on a un deuxième enfant, puisqu'on constate qu'on nous ferme des classes en école primaire. Voilà, donc c'est l'histoire de notre village, et le rôle d'un élu, c'est d'essayer de changer un petit peu le cours des choses. Donc beaucoup de naissances et moins de possibilités, donc d'où les demandes ou des besoins importants de logement. D'où notre point numéro 2 ou 3. Si vous voulez, il y a quand même un problème de fond que l'on constate depuis deux années. C'est en fait un mouvement important de départ dans l'ensemble du personnel communal. Donc, je sais bien que aujourd'hui on le subit dans nos activités personnelles, etc. Mais il y a une remise en question fondamentale sur la façon de séduire les salariés, parce que c'est eux qui ont le pouvoir, soyons clairs. Et pour les séduire, il faut leur accorder beaucoup d'empathie, de contact et de considération. C'est-à-dire leur redonner les lettres de noblesse. Pour le redonner, c'est les générations qui sont comme cela. Et si ce n'est pas fait, je pense que les relations humaines sont véritablement... C'est souvent les numéros 2, 3 dans une grande société. Eh bien, aujourd'hui, c'est fondamental. Sinon, inévitablement, il va y avoir des départs, des accumulations. Et c'est dommage que ces départs créent beaucoup de difficultés et de qualité dans les services. Donc, il y a des réflexions profondes à se poser. Franchement, Gérard... J'entends ce que tu me dis, mais
Je ne comprends pas ta remarque. On a restructuré entièrement le service RH. On a discuté pendant plus de 16 heures de négociations avec les représentants du personnel pour obtenir un accord. J'ai annoncé, alors que nous sommes en pleine illégalité, donc des fois nous luttons, que nous allons créer des groupes de travail par rapport à la problématique du logement qui, pour le moment, est inchangée. Il y a eu la semaine dernière une réunion de l'ensemble du personnel et puis après un casse-croûte, un apéro où tout le monde était convié. Donc les ressources humaines, les relations humaines, ça ne marche qu'avec un peu d'humanisme, beaucoup d'humilité, un peu d'humour de temps en temps, je le rappelle, et puis surtout un lien de confiance qui est à tisser. C'est ça qui est vraiment important. Donc en tout cas, moi j'œuvre au quotidien pour ça. Après que des gens partent, un fonctionnaire qui travaille pour la collectivité ou un contractuel qui travaille pour la collectivité, il est exactement le même qu'un, et des fois c'est souvent les mêmes personnes, pour celui qui travaille à Val-d'Isère ou qui habite à Val-d'Isère, il est soumis à la même problématique. Tu participes à la commission logement, évidemment qu'il y a des évolutions des familles et que les gens ont envie d'avoir des réponses à leur besoin de s'installer sur place et de manière pérenne à Val-d'Isère. Après, il y a des changements. La crise qu'on vient de traverser, elle a accéléré chez nous, comme ailleurs, un certain nombre de changements. Il n'empêche que quand on recrute sur certains métiers, pas tous, Gérard, on reçoit des masses de CV qui sont pas toujours en adéquation à ce qu'on cherche. Mais en tout cas, il y a un renouvellement qui s'est accéléré, mais il est lié à la structure même de notre population locale, de notre population qui travaille pour la collectivité. Voilà, on est sur un phénomène d'accélération. Moi, je le constate, je fais tout ce que je peux pour essayer de freiner ce système-là. Voilà, on en a parlé pour la crèche, on en a parlé pour les logements, on en a parlé pour les négociations qu'on a eues, et puis tout ce qu'on essaye d'apporter comme soutien au quotidien. Je pense à l'amicale du personnel, je passe à un certain nombre de dossiers qui font que, globalement, on fait, alors pas le maximum, puisque en tout cas le résultat n'est pas optimum, mais en tout cas on fait le maximum pour obtenir le fait que les gens se sentent bien, heureux au travail et en confiance à Val-d'Isère. Et je remercie les personnes qui ont assisté régulièrement au comité technique. C'est quelque chose de, non pas de fastidieux, je vous rappelle qu'il va y avoir des élections au mois de décembre, qui est vraiment importante, donc on motive le personnel pour qu'il y ait des représentants, parce que sans représentants du personnel, pas d'échange possible. Voilà, avec une année 2023 qui va être importante, puisque je vous rappelle qu'on a voté en juin un certain nombre de règlements qui sont impeccables à partir du 1er janvier et qui conviendra d'appliquer. Et puis après, il y a d'autres choses à mettre en place, comme le RIFSEP notamment, donc avec définition de tâches de poste, avec un certain nombre de choses qui n'avaient jamais été faites. Ça m'ennuie de te le rappeler, mais qui n'avait jamais été faite. Donc, oui, c'est long. Comme un budget de formation de 100 000 euros, un certain nombre de choses. Voilà, ça se restructure. Pas aussi facilement. Sur un service RH, quand vous perdez sa directrice, sa responsable adjointe, une troisième personne qui remplissait parfaitement le travail, pour des raisons qui sont tout à fait entendables pour ces trois personnes, eh bien, du coup, on restructure en fonction des ressources et des moyens que l'on a, ceux qu'on arrive à trouver. Avec toujours l'objectif de mieux staffer, d'avoir des cadres, notamment A, qui sont des gens, même si les cadres B et C sont des gens parfaitement respectables et responsables. Mais une des remarques principales qui a été faite aussi au niveau de la Chambre régionale de Cour des comptes, dans notre premier échange, c'est dit « mais vous êtes peu staffé à Val-d'Isère ». Voilà, on s'attache doucement à staffer mieux. Et je veux juste rajouter une petite touche et saluer le travail de l'amicale du personnel, donc, qui est très importante et qui, dont justement les liens humains. Et je vous invite tous à venir samedi à un barbecue à midi qui est ouvert à tous et non pas que à l'amicale. C'est des grands moments de convivialité qui sont très importants pour tout le monde. C'est à la plaine de la Daille, samedi à midi. Voilà, avec un concert et plein de surprises. Voilà. Au vote, donc qu'est-ce qu'il y a ? Personnes qui sont contre, qui s'abstiennent, qui sont pour ? Je vous remercie.
Donc le point numéro 16, c'est la suite, pareil, une modification des tableaux des effectifs pour prendre en compte donc un avancement de grade. Ça concerne donc l'ouverture de poste au 1er septembre pour un adjoint technique principal première classe à temps complet pour le service enfance, éducation, jeunesse, et la fermeture donc du poste d'adjoint technique principal deuxième classe à temps complet. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Là, pour le coup, on ouvre, on ferme. Tu as bien compris, c'est la même personne. Hop, on casse son poste. Hop, on le ferme. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre, qui s'abstiennent, qui sont pour? Merci beaucoup. Alors, le point numéro 17, ça concerne la compensation financière à un compte épargne-temps d'un agent communal. Donc c'est un agent qui est muté à la commune de Sainte-Foy-Tarentaise à compter du 2 novembre. Donc il, comme tout agent communal, il détient un compte épargne-temps. Donc vous savez, c'est des cumuls de RTT, de congés qui peuvent être pris par les agents. Donc il cumulait 13 jours de congés. Et donc comme il est transféré dans une collectivité, donc là, Sainte-Foy-Tarentaise, la commune doit financièrement compenser donc les congés à la collectivité qui reçoit l'agent. Donc ça représente un montant de 1755 euros. Véro, il est indiqué le 2 novembre 2021. C'est rétroactif, d'accord. C'est ça. Je voulais savoir s'il y avait une erreur. Pas de coquille, juste une régularisation. Est-ce qu'il y a des questions complémentaires? Donc au vote, donc qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tu t'es abstenu ou tu votes pour? Ok, merci. Et je laisse la parole à Philippe. Oui, si on vote contre, on n'a pas le choix sur ce genre de choses. On est d'accord? Donc nous abordons le point numéro 18 qui est la décision donc modificative concernant le budget de la régie des pistes et de la sécurité. Donc d'un point de vue global, on voit qu'en fonctionnement, donc on va avoir 388 000 euros de recettes en plus et qui compensent donc les dépenses supplémentaires. Et la même chose pour les investissements pour une somme d'environ 30 000 euros. Donc si on va dans les détails au niveau des dépenses supplémentaires qui ont été donc faites au cours de l'exercice en cours, donc on voit qu'on a donc du matériel en plus et pour des travaux de balisage et du travail aussi sur de terrassement, en particulier la terrasse de Borsa et de Fontaine Froide. Petite remarque donc sur les graines, hein, le budget a doublé parce que les tarifs aussi, je crois, ont doublé au niveau des graines pour ensemencer nos pistes, afin qu'elles soient plus belles l'été. Alors un gros poste donc au sujet de l'entretien des véhicules, comme vous pouvez le voir, surtout au niveau des pièces de dameuse, donc de 47 000 euros. C'est toujours pareil, quand on établit le budget, on ne peut pas savoir quels vont être les problèmes rencontrés au cours de l'hiver. Et donc on voit aussi qu'il y a l'entretien donc des dameuses de 18 000 euros. Donc on va retrouver une économie en face au niveau du garage municipal, parce que normalement c'est le garage municipal qui est en charge de l'entretien des machines. Mais par manque de personnel, ils n'ont pas pu le faire, donc ils l'ont fait faire directement par le fournisseur. Ensuite, évidemment, il y a le poste des carburants. Je ne vais pas vous faire un dessin. On sait que le prix des carburants a augmenté. Là aussi, c'est une estimation parce qu'on a toujours le mois de décembre où il va y avoir donc beaucoup d'utilisation des machines, on espère. Et donc, on ne sait pas quel montant ça va atteindre. Donc, petite parenthèse, donc on va utiliser donc du HVO. Certains ne savent pas ce que c'est. Donc c'est un carburant qui est fabriqué à partir d'huile végétale de récupération et qui est beaucoup moins polluant, mais qui coûte plus cher. Donc il y a la STVI donc qui pousse pour qu'on utilise ce carburant et qui va normalement compenser une partie de la différence de prix.
C'est, oui, c'est sûr. Pas normal. Bon. Qui va compenser, pardon. OK. Bon, ensuite, vous avez des petites choses, si on peut dire. L'achat de tenue, donc comme on ne savait pas trop au départ si on avait à avoir un budget correct, on a rajouté des pièces de vêtements pour nos pisteurs, hein, qui en ont bien besoin. C'est tout à fait normal. Ensuite, donc au niveau des loyers, alors c'est aussi des ajustements. Hein. En début de saison, on ne sait pas si on va louer ou acheter des dameuses. Donc il y avait un poste qui était dévolu à pour la location d'une dameuse qui n'a pas été utilisée, hein, de 74 000 euros. Et donc voilà pour cette partie-là. Ensuite. Donc nous avons aussi, on peut noter, un budget qui a été rajouté donc sur la formation pour le management des équipes. Sur les transports hélico, ben là aussi il y a une forte augmentation, donc on est monté à 70 euros la minute. Alors je sais plus combien c'était avant, mais c'était moins. Alors là c'est un peu justifié, bon, par les coûts des carburants et aussi par le fait que maintenant on est obligé d'utiliser des hélicoptères plus performants, c'est des doubles turbines, donc ça coûte plus cher. Donc on retrouve la facturation garage communal en moins, comme je l'ai dit tout à l'heure, 30 000 euros. Voilà. Ensuite, donc pour le chapitre 12, donc on peut voir qu'il y a des ajustements en fonction des augmentations liées à l'inflation, donc de 51 000 euros. Alors en ce qui concerne les recettes, donc vous voyez que la principale, donc c'est l'augmentation des revenus grâce à ce que nous verse la STVI. Pareil, on avait fait un budget en début de saison qui prévoyait une baisse de l'activité par rapport à une année normale qui était 2019. Et donc, comme l'activité a été meilleure, on retrouve 239 000 euros en plus. Plus de secours prévus aussi. Donc, comme vous voyez, on a 72 000 euros de plus que ce qu'on avait prévu. Voilà, donc on trouve en recette, donc, une augmentation aussi de 388 000 euros. Ensuite, donc, pour ce qui est de la section investissement, bon, ben voilà, quelques ajustements, hein, de secondaires et surtout donc le satellite Gazec, dont c'est un système qui permet de déclencher à distance pour déclencher des coulées donc en cas de forte chute de neige. Donc là, comme le fournisseur n'était pas prêt à nous fournir, ça fait partie aussi du contexte où il y a beaucoup de pièces qui manquent. Donc le budget qui était afféré à cette installation a été reporté. Donc il y a eu d'autres achats de faits dans une chenillette de Treuil, entre autres. Voilà. Et donc on va aussi, donc dans une nouvelle proposition, racheter une ambulance d'occasion pour un montant de 12 000 euros. Et on prévoit l'achat de radios qui ne seront pas achetés cette année, mais c'est la même chose. Il faut prévoir à l'avance, donc on les budgète pour les avoir normalement dans un an. Voilà, donc ce qui nous fait que nous avons donc un excédent reporté, 35 000 euros, la production immobilisée et la réduction d'emprunt, donc 114 000. Donc suite à ces modifications budgétaires, le montant de l'emprunt s'élèvera à 400 000 euros. Voilà, donc l'avis du Conseil est sollicité sur l'approbation de la décision modificative de la régie des pistes et de la sécurité. Est-ce que vous avez des questions? Oui. La question, au niveau des barrières à neige, est-ce que ça suit son développement? Parce que c'est important alors, de maintenir la neige naturelle. Donc déjà, il y en a eu pas mal qui ont été faites précédemment. Et ensuite, il y en a une partie qu'on n'a pas pu faire parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait des fleurs protégées et qu'on ne pouvait pas les faire cette année. Donc je pense qu'on va essayer de résoudre ce problème en faisant faire l'étude floristique afférente et qu'on réalisera ces barrières pour l'année prochaine. Il y a une des barrières à neige concernant sur le glacier du Pissaya pour éviter qu'elle parte sur Bonneval. Il n'y a pas de plan de protéger là. On verra pour l'année prochaine. Je pense que techniquement c'était pas toujours ce qu'il y avait de mieux à faire, mais je ne suis pas expert en la matière. Gérard, c'est un combat que tu mènes depuis des années, sur lequel tu lâches pas, et tu as bien raison. Le glacier du Pissaya, je le rappelle régulièrement, peut faire l'objet d'aménagement parce que ça fait partie de notre domaine skiable, mais il est sur la commune de Bonneval-sur-Arc.
Donc investir de manière importante chez un voisin, lui ne demande que ça, hein, pour être très clair. Nous, on regarde là où c'est pertinent de le faire, puisqu'effectivement, ça a du sens de retenir la neige naturelle, en particulier les endroits qui sont très ventés. Et chaque fois qu'on peut le faire, on le porte. Après, d'une manière générale, je le rappelle, et pour le coup, sans pleurer, Gérard, mais notre système que l'on a choisi, et je l'ai rappelé lors de la réunion de l'ADSP, l'Association des directeurs de services de piste, il est un petit peu atypique avec notre régie autonomie financière, mais nous permet à la fois de garder le manche sur son, je suis pas de le dire pour des dameuses, mais pour le reste, sur ce qu'on veut faire de notre saison d'hiver, début, fin, investissement, damage. C'est un système qui est alimenté, je le rappelais tout à l'heure, que par la en tout cas principalement par la redevance et remontée mécanique, et que manifestement, sans un réajustement auquel nous travaillons de la part de notre délégataire, eh bien, on est plutôt dans une voie qui se rétrécit d'année en année. Donc l'objectif, c'est de, pour se redonner de l'air, c'est d'avoir une négociation qui est déjà bien entamée, sans pour autant prolonger le contrat de concession, pour avoir un peu plus de respiration financière. Je ne sais pas si vous avez regardé, on vote des pantalons pour nos pisteurs. Ça me paraît juste la base que nos pisteurs aient des pantalons. Le budget, il est construit de telle manière que, du coup, on réfléchit à le reporter d'une année ou de se dire, bon, il y a eu une exploitation, pas d'exploitation. C'est la vérité de notre régie des pistes. C'est le choix. Des pisteurs et des pantalons. Oui. Quoique. C'est le choix, Gérard, qui a été fait de longue date et auquel je souscris et j'adhère parfaitement. Cette indépendance, parfois, et on l'a vu dans la période Covid, elle a un coût, je vous le rappelle, au niveau des frais de secours. Tout le monde a été indemnisé, sauf nous, de manière très partielle, du fait de ce choix de régie des pistes. Et aussi pour l'anecdote, si on peut dire, pour équilibrer le budget prévisionnel, on avait prévu une baisse d'activité de 5% de la STVI, alors que sur le budget général de la commune, on avait prévu une baisse d'activité plus forte. Parce que si on prévoyait une baisse d'activité plus importante, on n'équilibrait pas le budget de la régie des pistes. Donc, ce qui met encore en lumière les problèmes de redevances de la part de notre délégataire de remontée mécanique. Ça, Philippe, c'est le reflet de notre optimisme, tous les deux. Ben oui, il faut être optimiste, de toute façon. Bien, on va procéder au vote, donc. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Alors, point numéro 19. Salut. Point numéro 18. Alors, actualisation des frais de secours du domaine skiable. Donc, tous les ans, on doit voter les tarifs de secours. Donc là, un peu pour ajuster l'inflation, mais rester dans des tarifs acceptables. Donc, il y a une augmentation globale de 4% des frais. Donc là, vous avez les tarifs. Hein. Donc, je ne vais pas les détailler. Donc, est-ce que vous avez des questions sur ces tarifs? Alors, nous allons procéder au vote. Y a-t-il des gens qui votent contre ce point numéro 19? Qui s'abstiennent? Qui votent pour? Ensuite, le point numéro 20, donc c'est le tarif de facturation des pisteurs et des chauffeurs de la régie des pistes. Donc là, on retrouve aussi cette augmentation de 4%. Voilà, ce qui fait que la présence d'un pisteur donc pendant une activité sera de 225 euros et l'astreinte pisteur de 75 euros. Alors, est-ce qu'il y a des questions à ce sujet? Alors, qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Alors, point numéro 21, on continue sur les tarifs. Donc, c'est
Les honoraires pour l'allocation de matériel en particulier. Donc, petite remarque, donc un pas d'augmentation pour un type de matériel qui sont les pelles mécaniques parce qu'ils sont très élevés par rapport à ce qui se fait dans les entreprises privées, donc on maintient le même prix. Donc pour en revenir sur les graines, le tarif d'engazonnement donc est de 15%. Ensuite, les autres tarifs donc sont faits sur la base de l'indice BTP. Et donc le tarif horaire des chauffeurs de l'hiver est de 4%. Y a-t-il des questions? S'il n'y en a pas, on va voter. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Approuver le point 21. Parfait, merci, je vous remercie. Ensuite, point numéro 22. Donc ceci concerne donc une convention qui va être signée pour 3 ans pour faire un groupement de commandes pour la régie des pistes pour la fourniture d'explosifs. Voilà, ça permet de faire quelques petites économies, en particulier sur les frais de transport. Y a-t-il des questions? Non. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Voilà. Ensuite, point numéro 23. Donc, c'est toujours un travail en collaboration avec la régie des pistes de Tignes, toujours pour une durée de 3 ans. Donc, c'est pour passation de marché au sujet des secours héliportés. Donc, on va voter ce point, sachant que on peut remarquer que pour l'instant, on risque de ne pas avoir de réponse à cette offre de marché. Le principal fournisseur actuellement, c'est le SAF, et on n'est pas sûr de l'avoir en stationnement au Boisse. Donc, il va falloir essayer de résoudre ce problème. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui votent contre le point 23, qui s'abstiennent, qui votent pour? Je vous remercie. Et donc, toujours en rapport avec la sécurité et l'utilisation des hélicoptères, donc, nous allons voter pour l'agrément d'une hélisurface pour le PIDA hélicoptère, donc, qui est situé, vous avez le plan, en rive gauche de l'Isère, au niveau des sources, et qui correspond à toutes les réglementations en vigueur par rapport à l'éloignement d'un certain nombre de zones. Y a-t-il des questions? Non. Alors, nous allons voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie et je passe la parole à Fabien. Merci Philippe. Le point numéro 25 concerne un avenant à la convention d'entente pour la livraison des repas au niveau de la cuisine centrale entre Val d'Isère et Tignes. J'en parlais un petit peu tout à l'heure. En fait, Tignes a modifié sa structure de garde d'enfants, notamment entre la crèche touristique et une crèche communale. Donc, ce point concerne simplement l'information et l'autorisation de Monsieur le maire à signer cet avenant, qui concerne donc la modification du nom de cette crèche qui change, qui n'est plus les Petits Lutins, mais qui devient les Petits Montagnards. Est-ce que vous avez des questions? On m'entend plus, si ça y est. Est-ce qu'on pourrait avoir un bilan annuel du fonctionnement de la cuisine centrale? On l'a fait. D'accord. On l'a fait. Tu étais invité. C'était au mois de fin juin, début juillet. Je n'ai plus la date exacte en tête, mais il a été fait, ainsi que le bilan de Val-Loisir. Mais on peut demander au service. Je ne me souviens pas de la cuisine centrale. On peut demander au service de te le faire passer. Oui, je veux bien. Puisqu'il a été fait. Merci. Mais j'étais là en plus, donc je ne m'en souviens pas. C'était pas le même jour que. Oui, avec le Val-Loisir, c'était pas le même jour aussi? Non, il y a eu deux choses. Il y a eu. Non, si, c'était le même jour, mais je crois que de tête que tu arrives en retard. Oui, c'est ça. D'accord, avec, voilà. Ce qui explique que je m'en souviens pas. C'est pour ça. Désolé. Pas de souci. Oui, donc je veux bien ce document. Si passer, possible. Ouais. Merci. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre, qui s'abstiennent, qui sont pour? Merci. Je vous remercie pour l'anecdote. Je me suis rendu à Tignes pour signer
l'avenant à cette convention, mais comme on n'avait pas voté encore au conseil municipal, du coup j'ai fait demi-tour et ça m'a donné l'occasion d'admirer les paysages d'aller-retour. Donc je retournerai à Tignes, ou les Tignières viendront chez nous pour que nous signions cette convention. L'ordre du jour est maintenant épuisé. Est-ce que vous avez des questions diverses? Monsieur le maire, j'en ai deux. La première, c'est concernant le point d'étape que vous avez diffusé sur la situation du logement, qui a retenu toute mon attention, vous en doutez, parce que ça confirme la pénurie, notamment des appartements T2, T3, T4, pour stabiliser les familles afin de poursuivre leur expérience professionnelle, dont les acteurs économiques dont nous faisons partie ont un réel besoin. Donc, c'est vrai que la commune, ce qui est important, c'est qu'elle doit considérer ce dossier prioritaire. Et à cet égard, il serait opportun de recenser quelques terrains encore constructibles et éviter de laisser paupériser par des groupes qui nous assiègent en ce moment et qui vont déterminer que ce ne seront plus une station village. Donc, le point suivant, si la commune peut recenser quelques poches de terrain qui existent encore, à cet égard-là, les acteurs économiques que nous sommes, nous pouvons créer un GIE, l'Union des commerçants, le syndicat des hôteliers, les professions libérales, pour engager un programme de logement. De manière, on ne réglera pas tout, mais au moins, on donne un signe fort. Parce que aujourd'hui, c'est un réel besoin, sinon on provoque l'exode qui s'accentue de plus en plus, et notamment des jeunes générations. Donc je pense que ce sujet-là, pour moi, il est fondamental. On sait bien qu'on ne peut pas tout régler, mais malgré tout, il reste encore quelques petites poches qui sont possibles. La commune, on ne demande pas, elle ne peut pas tout faire, bien sûr, mais on peut très bien créer un GIE, Val d'Isère Partenaire, et avoir un cahier des charges précis qui donne les possibilités de caper selon les effectifs et les disponibilités, 2, 3, de manière à ce que, véritablement, on engage cet élan dont nous avons un réel besoin pour permettre de fidéliser et de maintenir aussi l'école, les crèches, etc., et donner un signe fort, sinon nous allons être véritablement des assiégés par des groupes très importants qui ont, depuis 2 ans, font flamber les prix pour les petits studios, etc. Donc il faut quand même, c'est un cri d'alerte là, qui est véritablement, Val d'Isère, on le dit toujours, on veut rester notre station-village, mais si cela continue, on deviendra malheureusement un Courchevel bis. Donc attention, attention, nous sommes à un point critique. La deuxième question, Gérard, je te répondrai aux deux. La deuxième question, je voudrais avoir si vous avez des informations sur le marché britannique, compte tenu qu'ils sont en grande turbulence et que le marché britannique est quand même un point important pour la fréquentation de nos établissements durant cette saison d'hiver. Qu'en est-il? Parce qu'on sent qu'il y a une période également qui subissent. Je dois vous rappeler que c'est important d'avoir un point de vue afin d'anticiper pour d'autres véritablement populations européennes, belges, néerlandaises, hollandaises, suédoises ou autres, dont nous avons un réel besoin. Alors la première question, Gérard, je te remercie d'avoir lu le point d'étape sur le logement, qui a été une épreuve, puisque les services de l'État ne comprenaient pas que nous n'ayons pas mis en œuvre ce qui avait été prévu. Et nous, on s'est efforcé d'expliquer qu'on avait mis en œuvre autre chose en fonction de ce que les mêmes services de l'État nous empêchaient de réaliser. Je pense à la zone de l'Indrois. Donc du coup, et je vous remercie encore une fois d'avoir voté le soutien à la Sacoval sur ces deux logements, sur ces deux bâtiments. Nous avons rendez-vous cet après-midi même avec le patron de l'OPAC de la Savoie pour étudier une de ces poches dont tu parles, Gérard. Alors ça ne sera pas forcément lui qui le portera. Si c'est pas l'OPAC, peut-être ça sera un GIE, etc. Mais nous étudions ces poches, les terrains disponibles. Et tu le sais parfaitement, Gérard, qu'on a bien voulu nous laisser. Ils sont compliqués. On l'a vu au Cove 3 et on va le voir sans doute avec cette future poche qui est non loin des Cove 3. Il n'y a pas de
Il y a pas de, c'est plutôt en montant en direction du chemin des Cauves. Voilà, donc on a rendez-vous cet après-midi avec l'OPAC de la Savoie pour répondre à cette problématique qui est prégnante. On a fait beaucoup de studios qualitatifs avec des bonnes isolations, des laveries en commun, des choses comme ça pour qu'il y ait une vraie vie et pour que ce soit un bâtiment qui soit bien isolé au niveau thermique et phonique. D'où sans doute son coût, mais on est en 2022, donc c'est bien de construire des choses qui soient pérennes dans leur utilisation. Et sur le marché britannique, Gérard, je me rends demain à Londres et votre serviteur reviendra vous donner devant cette même assemblée le pouls du marché britannique qui devrait, si les informations sont bonnes, changer de Premier ministre ce matin même. Voilà, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais nous verrons ensuite. Mais en tout cas, je vous dirai vraiment de vive voix ce que j'aurais ressenti devant des tour opérateurs, des journalistes, des agences de voyage sur ce qu'est réellement ce marché britannique, dont je rappelle, puisque ça fait l'objet d'une question en réunion de quartier, nous n'avons pas l'intention de les bouter hors de France ou hors de Val d'Isère. Les Britanniques, on les aime. Les Britanniques sont nos principaux clients. Et évidemment, c'est un marché qui est extrêmement important pour Val d'Isère, ce qui n'empêche pas de développer les marchés sur d'autres destinations. La France, bien entendu, nos amis belges, les Danois, Suédois et, j'insiste souvent lourdement, les Norvégiens, qu'on a un peu tendance à oublier, qui sont des gros consommateurs de ski et des gens avec un fort pouvoir d'achat, plus que leurs voisins scandinaves. Voilà ce qui est fait. Mais le marché britannique, je te répondrai, Gérard, les nouvelles sont plutôt bonnes pour le moment. Mais on va vers une montée en gamme. Un certain nombre de tour opérateurs n'ont pas résisté à la crise. D'autres apparaissent. Et donc, je vous répondrai plus longuement quand j'aurai les informations. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, vas-y. Si. Ah, non, moi, je vais rebondir sur ce que disait Gérard sur les logements des saisonniers. On a vu des gros opérateurs, effectivement, arriver et... La précédente municipalité avait déjà été alertée sur une possibilité de demander à ces nouveaux opérateurs et ces nouveaux établissements de créer des logements saisonniers au moment où ils construisent. Ça n'a pas été fait sur les IRL. Je crois que c'est pas prévu sur le Christiania. Sur le Christiania, il y a 24 logements saisonniers. D'accord. De la même manière que les parkings qui sont obligatoires dans la construction de surfaces neuves, dans quelle mesure on pourrait imposer lors de la création de d'établissements la construction de logements saisonniers? En changeant le PLU, Frédéric, notre plan local d'urbanisme qu'on s'échine à vouloir changer et on attend toujours les règles au niveau du risque pour pouvoir le changer. Je vous rappelle aussi que le SCOT, qui est un document prospectif, hein, mais pour tous les programmes de plus de 5000 m², on s'aperçoit que des programmes de 5000 m², on y arrive assez vite, impose pour avoir un avis favorable un minimum de 10% de surface consacrée au logement des salariés. Effectivement, sur les RL, il aurait été de bon ton qu'il y ait au moins 500 m² sur les 5000 et quelques qui soient réservé à loger le personnel. Des gros établissements comme ça ne pourront pas loger la totalité du personnel. J'ai en souvenir la première réunion à l'époque, c'est Madame Pétillère, et c'est la première question que Véronique et moi lui avions posée, et j'avais senti à l'époque dans ses yeux, et je lui avais dit comme une espèce de vide d'interrogation, c'est un problème auquel il n'avait pas pensé du tout. Donc, un, changer notre PLU et l'imposer, ça aura des contraintes hein, sur des projets, hein, c'est-à-dire que des fois, il y a des équilibres financiers, notamment quand ce sont des acteurs locaux pour arriver à un juste équilibre financier. Quand c'est des acteurs moins locaux, on ne doit pas faire de différenciation. C'est un peu comme le prix des forfaits. Mais en tout cas, moi, je n'ai de cesse de leur rappeler. Donc, le Christiania, il y est. Il n'est toujours pas sorti. Toi, Frédéric, tu as porté un programme hôtelier dans lequel il y a des logements, donc comme quoi c'est possible à faire. Et on a de cesse de le rappeler. Au prix actuel de location des studios, ça devient rentable. C'est comme rentable. Énergie. Je veux dire, en termes d'économique et en termes d'équilibre économique, il y est. Et force est de constater que la pénurie de studios, notamment à cause de ces gros opérateurs, fait augmenter les prix de manière complètement inacceptable. Enfin, en tout cas, difficile à supporter. Mais quoi qu'il en soit, on est bien obligés, nous, professionnels, de loger notre personnel. Donc ça devient vraiment compliqué. En tout cas, le logement porté au COV 3
ne vont pas résoudre tous les problèmes. J'espère qu'ils vont avoir tendance déjà à crever cette bulle spéculative, puisque effectivement, on assiste à une surenchère incroyable sur le prix des studios, puisqu'on m'a parlé de plus de 10 000 euros ou 12 000 euros pour la location d'un studio. Donc c'est contre-productif, parce qu'on a tendance à vouloir du coup le remplir bien, ce studio. Donc du coup, avoir des gens qui sont malheureux, puisqu'ils sont logés de manière un petit peu exiguë. Voilà. Et tu l'as rappelé, Gérard, ce n'est pas que le problème de la commune. Les socioprofessionnels, je me rappelle toujours la remarque de cette madame Pétillère, mais on m'a dit que des logements allaient être construits. Non, ça marche pas comme ça. Hein. C'est effectivement quelque chose qui doit se faire de manière collective. Le rôle de la commune, c'est effectivement de répertorier les terrains possibles. Donc je vous en ai parlé d'un premier. Il y a toujours la problématique de l'ADROI qui a fait l'objet d'une modification du SCOT, qui se heurte à un problème avec la chambre d'agriculture sur des terrains qui sont des terrains privés, qui ne sont pas des terrains communaux. Donc du coup, voilà, c'est plus facile quand on maîtrise. Et puis pour essayer d'amener des solutions. Voilà. Et après, comme je dis à chaque fois, alors j'espère que... Mais je vais sans doute choquer des gens. Personne ne dort dehors à Val d'Isère. Mais on essaye d'améliorer au quotidien la problématique du logement pour nos salariés. Certaines entreprises s'en sont emparées. D'autres moins, elles ont été très attentistes. Et puis les nouveaux arrivants sur le marché me disent, parce que je les reçois et je leur fais la même remarque, me disent, mais nous, c'est pas nous qui faisons monter les prix, c'est les propriétaires. Hein, et du coup, on paye. Et qu'est-ce que je peux leur répondre? Ces mêmes propriétaires, parfois, sont des avalins, d'autres sont des touristes, d'autres sont des investisseurs. Voilà, il y a cet équilibre à trouver. Ingrid. Oui, ça n'a rien à voir. C'est une remarque. J'ai été étonnée de voir que des particuliers, en l'occurrence la famille de la ferme de l'ADROI, avaient généré sur le groupe des saisonniers une liste des établissements ouverts à l'intersaison. Je pense que c'était le rôle de l'Office du tourisme de faire ça. L'initiative était super. Et c'est venu dans un deuxième temps. Ah non, pas du tout. En fait, elle existe depuis au moins 3 ans, cette liste, au moins 3 ou 4 ans. Il n'y a pas de com' dessus. Sauf qu'elle a pas... Non, non, mais attends. Attends, j'ai vu ce poste de la même manière, et Lucie a fait un bon boulot. Par contre, je trouve ça, c'est extrêmement dommage, parce que ce boulot-là, il est extrêmement bien fait chaque année par l'Office du tourisme. Et effectivement, encore une fois, la communication, c'est pas de dire, c'est de se faire entendre. Voilà. Alors, il y a peut-être là, un bug sur la communication. Ouais, mais du coup, ça donnait l'impression que l'Office du tourisme n'avait pas fait son boulot. Donc exactement, dommage. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Et du coup, ça a été... Il y a eu du coup des postes qui ont pu, publier cette liste, hein, qui est mise à jour en permanence. Elle est présente maintenant systématiquement sur toutes les informations de Radioval en bas d'informations, parce que du coup c'est la liste la plus actualisée, quoi qu'il en soit. Et derrière, il y a une autre réflexion qui consiste à dire que sur les réseaux sociaux de Val d'Isère Tourisme, ils sont quand même destinés à la clientèle extérieure. Et donc, du coup, il va y avoir une création, d'une manière ou d'une autre, d'un réseau social, en tout cas d'une entité, qui sera à destination des gens qui sont là à l'année, pour notamment diffuser les informations sur la piscine, sur les ouvertures pendant les intersaisons et autres. Voilà, mais en fait, ça a éveillé plein de choses et c'était symptomatique du fait que les gens ne le savaient pas. Voilà. Bien, en tout cas, je vois que vous passez vos week-ends sur les réseaux sociaux. Moi, je vous encourage largement à profiter de la nature merveilleuse qui nous entoure au moins le week-end. Non, mais je n'étais pas au courant. Ingrid, non, mais parce donc, que c'est, moi, c'est apparu dans mon flux d'infos, là, mais pas du tout au cours du week-end, la semaine dernière. Et j'ai trouvé que c'était regrettable parce que c'était un document manuel au demeurant très bien fait. Et que je me suis dit, mais non, il y a un problème. C'est pas le rôle de cette famille et de Lucille, pour ne pas la nommer, de faire ça, même si c'était très bien fait. Voilà. Bon, c'était juste une petite remarque. Et j'ai une deuxième remarque qui consiste à évoquer le problème de restriction d'eau. Je trouve que cet été, peut-être, on aurait pu renoncer à arroser les plantes, même la nuit, et à nettoyer les rues. Et ça génère chez moi une question sur la neige de culture. Est-ce qu'on a une inquiétude par rapport à ça, ou en tout cas une tendance à savoir si l'automne n'est pas pluvieux, est-ce qu'on pourra fournir une neige de culture satisfaisante pour l'hiver? S'il n'y a pas d'eau, il n'y aura pas de neige de culture. C'est donc bien ça. Pas répondre mieux. Et sur les plantes, c'est une décision que j'ai faite, puisque derrière les plantes, il y a une équipe de 10 personnes qui travaillent, ça participe, et c'est la remarque principale qui est faite par nos clients sur le fleurissement de la commune, qui est unanimement reconnu comme quelque chose de positif. Donc, malgré ou bien qu'il y ait eu un arrêté préfectoral, nous avons fait le choix de
continuer de les arroser pendant toute la période du mois d'août, d'en supprimer un certain nombre, déjà depuis maintenant une dizaine de jours, et de continuer à arroser jusqu'à ce que les plantes meurent de leur belle mort. Voilà, c'était un choix qu'on a fait. Là-dessus, moi, j'ai une question, mais qui n'est pas vraiment pour toi, Patrick, mais j'en profite. C'est une question qu'il faut qu'on examine. Certaines communes ont regardé la réutilisation de l'eau des piscines, qui est quelque chose de tout à fait faisable. Moi, je pensais que ce n'était pas possible. Mais semble-t-il, quand les piscines doivent être vidées, cette eau peut être dépolluée et réutilisée, notamment pour les arrosages ou pour d'autres usages. Ce n'est pas de l'eau potable, mais c'est de l'eau utilisable. Donc, je me demande si nous, on n'aurait pas là une piste à explorer. Alors, on vide la piscine au moment où on n'a plus d'eau pour arroser les fleurs, Dominique, mais pour que les choses soient claires. Mais pour que vous ayez des chiffres, c'est... D'abord, on peut réutiliser l'eau de piscine, à condition, quand elle est chlorée, de la laisser se déchlorer. C'est à peu près 4 jours de décantation, je dirais. Et puis, il faut que vous sachiez, puisque je ne savais pas, oui, on arrose pour le moment nos plantes avec de l'eau potable, et on cherche des solutions. C'est quand même 35 mètres cubes d'eau par jour. Donc, on réfléchit à des systèmes de stockage, on réfléchit, mais 35 mètres cubes, c'est des grosses cuves, hein, des gros volumes, c'est-à-dire 35 mètres cubes par jour, c'est-à-dire qu'il faut, pour une semaine sans eau, c'est 200 mètres cubes, c'est le volume de, je dis pas une bêtise, de ce qu'on a mis au sommet de Bellevarde, 200 mètres cubes. Voilà, donc l'eau de la piscine, pourquoi pas, mais il faut qu'elle soit déchlorée au moment où on la vide, donc on pourrait potentiellement l'utiliser maintenant. Après, il faut créer des bacs de décantation, il faut avoir un bon système pour... Donc tu vois, Dominique, tu as bien fait de me poser la question, parce que je l'ai déjà posé aussi. On cherche plein de solutions. Certaines communes ont fait des choix différents. Une commune dans laquelle je me rends le week-end prochain, Colmar, qui est réputée pour son fleurissement, a fait le choix de faire un appel au peuple, de dire bah, puisque nous ne pouvons pas arroser, est-ce que chacun pourrait pas, avec son propre robinet, arroser les plantes communales? Ce qui est un peu contre-productif, parce que l'objectif, c'est d'économiser l'eau. Voilà, donc effectivement, mais ça de manière tout à fait sérieuse, Ingrid, oui, il serait de bon ton que le ciel nous accompagne, puisque pour le moment, on a un niveau d'eau qui est faible. À Val d'Isère, je vous le rappelle, c'est 220 millions de mètres cubes qui tombent sur notre bassin versant chaque année. 220 millions de mètres cubes. Ce qui est utilisé, bon an, mal an, pour créer de la neige de culture, c'est 600 000 mètres cubes. Et ce qui est consommé pour l'eau potable, c'est 800 000 mètres cubes. C'est-à-dire, quand on fait le total des deux, notre usage de l'eau, il faut que vous ayez ce chiffre en tête, c'est moins de 1% de ce qui tombe sur notre bassin versant. Je vous dis ça parce que on va être amené, non pas à pleurer, Gérard, mais à se défendre sur notre modèle et expliquer que ce que nous ponctionnons, d'abord, c'est rendu ensuite à la nature, en tout cas pour ce qui concerne la neige de culture, et qu'il s'agit d'une proportion, non pas lambda, mais moins de 1% pour l'ensemble des deux usages principaux, le troisième étant l'agriculture. Mais là, pour le coup, à Val d'Isère, au niveau agricole, on arrose un peu, mais peu par rapport à nos voisins. Alors, la question, est-ce que vous avez le niveau des réserves collinaires? Elles sont remplies à quel degré? Elles sont remplies de manière très faible. Celle du col de l'Iseran, qui se remplit par capillarité, donc de manière naturelle, elle est quasiment pleine. Les autres, on les remplit avec des systèmes de pompes. Et pour le moment, elles sont vides, ou presque. Donc on a besoin d'avoir des précipitations qui vont arriver. Mais là, pour le coup, c'est le colibri. Hein. Moi, j'essaye d'agir au quotidien, mais pour le moment, c'est une vraie préoccupation. Hein. Il y aura le problème de l'eau et de l'énergie, puisque je vous rappelle qu'il faut aussi beaucoup d'énergie, même si des gros progrès techniques ont été faits, pour produire de la neige de culture. Mais c'est un sujet qu'on regarde avec attention, parce qu'effectivement, pas de neige de culture, une début de saison qui est tronquée. Je l'ai exprimé aussi aux gens de la FISE, un critérium qui ne peut pas être tenu dans des bonnes conditions. Voilà, il y a un certain nombre de choses qui vont nous impacter assez fort. Donc, regardez le ciel quand même pour voir si ce qui nous attend. Je vous rappelle qu'on est sur une période de sécheresse qu'on n'a pas connue en France depuis 19 ans, 2003. La précédente était de 76. Bon, voilà, il faut espérer que tout ça s'arrête. Je ne vais pas vous dire que, bien sûr, tout va bien aller. Non, pour le moment, le niveau de l'eau est inquiétant. Roby, est-ce que tu avais une question, puisque tu fais partie du public? Non. Eh bien, du coup...
Alors, il y a un tarif qui a été voté au conseil municipal. C'est un tarif qui est valable pour tous les enfants de plus de 8 ans. Et puis, il est valable aussi pour toutes les personnes de plus de 65 ans, entre 65 et 75. Après 75 ans, on est toujours sur un régime de gratuité pour l'ensemble des personnes de plus de 75 ans. Et donc, du coup, il y a un tarif qui a été voté qui est inférieur au tarif des adultes, on va dire. Et avec une politique qui, alors pour le coup, que nous n'avons pas voté, mais qui sera portée au niveau des étudiants, notamment dans les périodes un petit peu plus creuses, pour avoir des tarifs encore plus compétitifs pour les faire venir sur notre domaine skiable. Je vous souhaite à tous et à toutes une...